Juste une petite précision, les élus ou les personnes inscrites à l'atelier Europe avec l'association des maires des Côtes d'Armor, ça ne se passe pas ici dans cette salle, mais ça se passe dans la salle de l'Étoile, me dit-on. Donc, pour cette formation AMF, eh bien, je vous invite à rejoindre la salle de l'Europe. Et puis, on va se donner encore 5-6 minutes. Qu'est-ce que j'ai dit ? La salle de l'Étoile, donc, pour cette formation. Et puis, on va attendre encore 5 petites minutes. Alexis, avant de démarrer, on attend un peu ? Non, pas de souci. La traduction se fait simultanément. Il n'y a pas de souci. C'est un mot. Donc, à la fois, donc, le militant et puis vice-président de Saint-Médard-Mort à l'élaboration du département et en charge des finances deux fois. C'est deux fois. Non, non, quand je dis deux fois, non, mais c'est ça. Pas de souci. En fait, sur le département, c'est aussi de prendre un téléphone. D'accord, ok, parfait. Et donc là, ça, c'est pas sous format interview, on est bien d'accord, hein. C'est format discours. Enfin, c'était ce qui était convenu, mais si vous voulez qu'on change, ça ne pose pas de problème. Non, je l'ai très noté, aspect vidéo. Voilà, juste au début de la table ronde. Voilà. Donc ça, on va faire.
On y va ? Oui, on y va. Voilà. On va démarrer avec un peu de retard. Toutes nos excuses. C'est vrai qu'on doit réagir un peu au fur et à mesure. Aux événements et aux événements qui nous sont imposés pour rythmer cette deuxième journée. En tous les cas, moi, de mon côté, je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que hier, vous avez passé une belle journée et puis que la soirée a été délicieuse pour vous à Plédran et que vous avez passé un excellent moment entre vous. Avant de démarrer donc cette matinée, il y a des petites modifications dans notre emploi du temps et dans les interventions prévues. D'abord, je vais excuser Joël Giraud et Thibaut Guignard. Effectivement, le ministre et Thibaut nous rejoindront tout à l'heure vers 11h au moment de la remise des prix qui est prévue, justement ces prix leaders autour de l'égalité homme-femme, s'il vous plaît. Donc, vers 11h, en sachant que le ministre et Thibaut Guignard sont actuellement en réunion avec Jean-Yves Le Drian pour préparer l'accueil humanitaire de nos frères ukrainiens. Excusez-moi. Bien. Alors, cette matinée, nous allons d'abord démarrer par une petite vidéo de Janusz Wojciechowski. Janusz Wojciechowski, qui est le commissaire de la DGA Agriculteur de la Commission Agriculture, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin et donc qui tenait absolument à nous diffuser un message. Mais comme il y a un tout petit souci avec cette vidéo en direct, je propose de passer eh bien, aux interventions qui étaient prévues après. On va donc commencer Thierry Andrieux par Thierry Andrieux. Thierry Andrieux, merci de nous rejoindre ici. Thierry Andrieux, je vais vous le présenter. Il le précisera, et on l'applaudit effectivement, c'est un des locaux de l'étape et c'est notamment le président du CAL Leader qui nous accueille ici. Thierry, tu me corriges si je me trompe. En tous les cas, bienvenue ici. Bienvenue de réagir comme ça un tout petit peu au débeauté. Je te laisse la parole pour introduire cette matinée. Et au fur et à mesure, eh bien, on va faire avancer les choses de la manière la plus harmonieuse possible. Merci à vous de votre attention et de votre compréhension ce matin. Français et européens, mesdames et messieurs les porteurs de projets, mesdames et messieurs les animateurs leaders, chers collègues. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille ici sur le territoire du CAL Leader Lamballe-Terrenère et Saint-Brieuc Armor-Agglomération à Pleuc-l'Hermitage. Notre territoire, composé de 70 communes pour 225 890 habitants entre la terre et la mer, entre la ruralité et l'urbanité, a la chance de pouvoir bénéficier sur la quasi-totalité des deux agglomérations, hors le pôle briochin, de leaders. L'agglomération de Lamballe-Terrenère, assurant depuis le 1er janvier 2022 le pilotage du GAL Leader pour le compte des deux agglomérations. Notre territoire, comme les autres territoires bretons, possède une histoire riche.
longue de partenariat européen. La coopération n'est pas un mot vide de sens en Bretagne. Tous ceux qui arrivent et qui partent en Bretagne, les malheureux, vous le diront. Ici, la coopération a une saveur particulière. Depuis de nombreuses années, les acteurs publics et les acteurs privés ont su se fédérer, coopérer, mobiliser les dispositifs européens pour financer et permettre la mise en œuvre de projets des plus petits aux plus ambitieux. Alors oui, leader, c'est long, fastidieux, parfois décourageant, mais ô combien gratifiant. Quand après l'instruction et l'audition, le comité de programmation, composé d'acteurs locaux publics et privés, décide d'accompagner telle ou telle initiative. Car derrière chaque projet, chaque dossier de demande de subvention, il y a des femmes et des hommes qui œuvrent pour conforter et renforcer le lien social entre les habitants de nos territoires. Leader, c'est avant tout de l'humain, des histoires de femmes et d'hommes, d'envie et de souhait de partager entre les gens, de se développer, de développer et de faire se rencontrer, d'ouvrir nos territoires, de rééquilibrer les déséquilibres. Leader, c'est tout ça à la fois. Vous allez voir, lors de votre visite de terrain cet après-midi, quelques-uns des projets financés par Leader. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif. Plusieurs projets ont été menés sur le territoire de notre GAL. Il y a eu tellement d'initiatives accompagnées depuis toutes ces années. Sans Leader, nos territoires ne seraient pas les mêmes aujourd'hui. Les initiatives n'auraient jamais vu le jour sans Leader. Et enfin, je voulais juste dire un mot de mon attachement à ces valeurs européennes que sont le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit, le respect des droits de l'homme. Ces journées Leader France ont une résonance particulière. À l'heure où des combats font rage aux portes de l'Europe, notre présence à toutes et tous ici constitue la preuve que la coopération entre les peuples et les pays est une chance que nous devons choyer et protéger. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à tous. Merci, merci beaucoup à vous. Alors, on va un tout petit peu... Merci, merci Thierry Andrieux. On va changer un tout petit peu l'ordre prévu ce matin parce qu'on me dit que Marc Fesneau, donc, qui est le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne, eh bien, qui est en visio directement avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints ce matin ici à Pleuc-l'Hermitage pour cette deuxième journée du séminaire européen Leader qui se passe au cœur de la Bretagne. Tout à l'heure, votre collègue Joël Giraud remettra un certain nombre de prix dans le cadre de cette journée internationale des droits des femmes et notamment pour l'égalité hommes-femmes. C'est notre deuxième journée. Hier, on a parlé de Leader, une réussite européenne, d'articuler les dispositifs nationaux avec les fonds européens, quels enjeux et quelles complémentarités. Ce matin, on a une table ronde qui s'intitule « Les fonds européens, une opportunité pour les ruralités en France et en Europe ». Et j'ai cru comprendre que par rapport à votre parcours personnel et votre parcours professionnel, à la fois la ruralité et l'Europe vous intéressent particulièrement et que vous aviez envie de nous l'affirmer ce matin parce que vous avez été conseiller municipal et maire d'une petite commune dans le Loir-et-Cher. Et puis, au niveau de votre job, vous avez travaillé autour de l'Europe. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin quelques mots par rapport à ça? Bonjour et merci de m'accueillir. Votre président m'avait gentiment invité. Je suis très heureux de pouvoir intervenir devant vous, même si j'aurais préféré évidemment être présent physiquement. C'est plus commode pour plusieurs raisons, effectivement. La première, c'est que j'ai eu la chance de connaître Leader quasiment au démarrage de cette initiative communautaire en 95-96. Elle avait 5-6 ans. On était dans la deuxième phase, c'était les Leader 2. Et je l'ai connu à la fois comme élu local, effectivement, mais aussi comme animateur d'un programme Leader 2 dans le nord du Loir-et-Cher. Puis après, comme
celui qui avait participé avec d'autres à la conception d'un programme, puis après comme élu local en co-animation d'un GAL, là plutôt sur le Blaisois, sur la ville de Blois et ses alentours. Là, j'étais plus dans mon périmètre municipal. Et en fait, donc, j'ai vu évoluer Leader au fil des années, on pourra peut-être en dire un mot, avec le sentiment que c'était un dispositif qui était très particulier, qui était très original, qui avait été, autant que je me souvienne d'ailleurs, inventé par des Français à l'époque en 91, en disant à côté était la grande puissance agricole des fonds européens et la prééminence agricole, il fallait qu'on soit à la fois dans le champ agricole, mais au-delà du champ agricole, avec une volonté de diversification, d'innovation apportée dans les territoires. Et au fond, vous célébrez les 30 années du programme Leader. Et c'est vrai que ça vient d'être dit, d'ailleurs, ce programme Leader, il a permis à beaucoup de territoires d'innover, de chercher de nouvelles voies de développement, de chercher et à montrer au fond que plutôt que d'être, ce que j'ai parfois regretté, y compris dans nos territoires ruraux, le sentiment qu'on n'avait plus de perspective, plus d'avenir, plus de potentialité, que malgré les difficultés, il y avait des tas de territoires qui essayaient d'évoluer et qui essayaient, par l'innovation, de trouver de nouvelles voies de développement basées sur les richesses économiques ou les richesses patrimoniales ou les richesses culturelles locales, et globalement en se projetant aussi dans l'avenir. Donc c'est en ça que c'est un sujet qui m'intéresse et me passionne comme élu local, comme ministre, puis comme praticien, puisque j'ai eu la chance de pouvoir animer un programme Leader au démarrage quasiment de cette programmation Leader. Alors, ce que je crois, c'est que ce qui vous tient à cœur, justement, c'est l'accompagnement dans les grandes transitions des territoires ruraux et notamment dans des périodes de crise. On a traversé ou on traverse encore la crise du Covid. On est en train d'en traverser une particulièrement grave, justement. Comment peut se construire et quelle importance de tels programmes dans ces transitions, dans ces périodes de grandes transitions? Vous me permettrez d'abord, comme ça a été dit par certains d'entre vous, d'avoir une pensée pour nos amis ukrainiens qui vivent non pas une transition, mais qui vivent un choc et qui va produire chez les voisins que nous sommes des transitions. Mais d'abord, pensez à eux parce qu'eux, ils vivent quelque chose de beaucoup plus violent que ce que nous avons à affronter, et nous essayons de les accompagner, comme vous le savez, de la manière qui soit, et d'abord avec l'humanité nécessaire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est effectivement, je pense que le programme Leader, il a toujours vocation à anticiper ce que peuvent être les évolutions du monde, et en particulier du monde rural, encore que je ne crois pas que le monde rural soit homogène dans ce qu'il est. Il y a la transition écologique, évidemment, et en particulier la transition énergétique, qui est à la fois parfois une contrainte et un risque pour les territoires ruraux, notamment en termes de mobilité, mais aussi une potentialité en termes de production et de sources d'énergie. Il y a la transition, ou je ne sais pas si c'est une transition, c'est finalement cette crise ukrainienne, elle vient nous montrer et nous faire revenir au sens et à l'essence, pour ne pas dire à l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'il y a comme fonction vitale dans un territoire ou dans un pays, et en particulier la fonction de pouvoir s'alimenter. Et donc, ça interroge de nouveau sur la place de l'agriculture et la manière dont, à la fois, il faut qu'elle assume ses transitions et en même temps qu'elle assume son rôle premier, qui est celui d'assurer l'alimentation de la population. Puis, il y a un troisième sujet, me semble-t-il, et Leader est un outil formidable pour pouvoir l'accompagner, c'est la crise Covid. Elle a été à la fois dramatique, mais elle a révélé aussi à beaucoup de nos concitoyens la capacité d'attractivité ou la capacité de résilience plus forte des territoires ruraux. Je suis sûr que vous constatez comme moi que beaucoup de ceux qui vivaient en ville cherchent plutôt à vivre désormais dans des zones moins denses, moins densément peuplées, ou avec des liens sociaux qui sont de nature différente. Je ne suis pas là pour dire ils sont mieux ou sont moins bien, mais en tout cas des liens sociaux qui sont de nature différente. La montée en puissance du télétravail, tout ça va bouleverser durablement, à mon avis, le mode de vie de chacune et chacun d'entre nous et va redonner une chance aux territoires ruraux. Il suffit de voir d'ailleurs le marché de l'immobilier d'abord, mais au-delà du marché de l'immobilier, qui est un élément intéressant économique, c'est comment on fait en sorte dans ces territoires de se préparer à durablement garder attractifs ces territoires. Et moi, je trouve que le programme Leader, de ce point de vue-là, il doit nous faire nous accompagner et accompagner pour mieux réfléchir sur ces questions-là. Donc, les grandes transitions énergétiques, parce que là, il y a des défis qui sont formidables au premier sens du terme et difficiles aussi au premier sens du terme. Ouais. La question des potentialités offertes par la crise Covid, en tout cas dans l'état d'esprit d'un certain nombre de nos concitoyens. Et puis, troisième sujet, c'est les fonctions essentielles, parce qu'on voit bien que la crise ukrainienne vient le révéler de nos territoires ruraux.
Alors, vous êtes aussi ministre de la participation citoyenne et on a bien vu hier dans les échanges qu'il y a pu y avoir, et aujourd'hui je pense que ça ne va pas faire exception, eh bien, il y a cette dimension de la participation citoyenne, la participation des citoyens et la possibilité effectivement d'avoir ici des éléments qui donnent du cœur et de l'incarnation. On entendait Thierry Andrieux à l'instant sur justement chaque territoire. Comment, pour vous, justement, cette participation citoyenne doit être développée autour du programme LEADER et dans les zones rurales? D'abord, je rappelle toujours, vous le savez, alors pour le coup, vous le savez, ce que veut dire LEADER, liaison entre les actions de développement de l'économie rurale. Et au fond, dès son fondement, par la construction même du programme et la volonté qu'il y a eu souvent de pouvoir mélanger au bon sens du terme des initiatives associatives, des initiatives de nature privée, des initiatives de nature publique. Il y a eu dès le début, et le réseau associatif est un réseau formidable de mobilisation et d'engagement citoyen. Je trouve que LEADER est un espace assez formidable pour faire s'exprimer au travers de projets la volonté citoyenne. Et j'ai quand même le sentiment que structurellement et presque naturellement, le programme LEADER est un programme par rapport aux autres programmes qu'on connaît de nature européenne ou de nature nationale, qui se construit souvent, y compris, il suffit de voir la composition des groupes d'action locale, des GAL, pour voir que structurellement, c'est une composition qui est très… Alors, je sais les difficultés parfois que ça pose en termes de quorum, pour l'avoir vécu moi-même, mais ceci étant, la structuration des groupes d'action locale, ce qui est demandé en termes de parité publique-privée, c'est un élément, même si ce n'est pas le seul, de volonté de faire participer les citoyens. Et puis, troisième chose, je pense que dans bien des cas, les solutions qu'on trouve en milieu rural aujourd'hui, les innovations, elles viennent d'un certain nombre de citoyens qui décident qui de reprendre telle ou telle initiative parce qu'il y a une carence de l'initiative privée, qui essaye de se saisir de tel ou tel enjeu ou telle question, je pense aux questions, par exemple, énergétiques, aux questions de mobilité, et je trouve que naturellement, LEADER le permet de le faire. Pourquoi ça permet de le faire aussi? Parce qu'on peut être, ça a été dit d'ailleurs, je crois, tout à l'heure, c'est même vous qui l'avez dit, je crois, on peut porter des projets de grande ampleur comme des projets de plus petite dimension. Moi, je suis assez fervent défenseur de l'idée que LEADER, ça doit avoir la vocation de porter à la fois des initiatives qui paraissent modestes, mais qui portent en germe une transformation territoriale, tout autant que des projets qui sont de plus grande ampleur. Et l'attention portée à des projets de plus petite dimension, sans que ça soit pour moi péjoratif, bien au contraire, c'est une attention qui permet aux citoyens de retrouver leur place. Et comme on est dans une démarche territoriale, la volonté d'appropriation territoriale par les citoyens, elle peut être aisément construite au travers du programme LEADER. Alors, je ne sous-estime pas les problèmes plutôt administratifs, financiers que pose la question d'engager des associations, de leur faire prendre parfois le risque d'attendre longtemps les subventions. Mais ça, vous en parlez, j'imagine, beaucoup dans vos débats. Mais il ne faut pas renoncer à ça parce que je pense que c'est un élément de la participation citoyenne. Quand vous engagez une association qui travaille sur les questions de transition énergétique, qui essaie de faire de la pédagogie dans une démarche territoriale, vous permettez à des citoyens de s'associer et même de construire, plus que de s'associer, une politique publique, et je pense que c'est utile. OK. Alors, avant de… Si vous en êtes toujours d'accord et si vous avez le temps, puisqu'on a pris un peu de retard, est-ce que vous aurez un peu de temps pour répondre à quelques questions du public? Pas de problème. Pas de problème. Alors, avant justement de donner la parole au public, la proposition, c'est comme je l'ai fait hier lors des tables rondes qu'on a eu l'occasion de vivre en commun, c'est vous demander si vous n'aviez qu'un truc à dire, Marc Fesneau, justement autour de ruralité et LEADER, un message à transmettre à celles et ceux qui sont ici à Pleuc l'Hermitage, ça serait quoi le sens de ce message ce matin? Vous allez me dire qu'évidemment, je ne réponds pas à l'engagement que vous me demandez, c'est de faire une seule phrase. C'est un peu difficile. Non, mais je vais en faire deux. Comme ça, j'ai au moins presque quasiment répondu à votre sollicitation. La première, c'est un, on voit de mieux en mieux et de plus en plus que le monde rural n'est pas un problème, mais plutôt la solution à bien des problèmes. Encore faut-il que le monde rural en ait conscience lui-même. Je pense qu'il faut. Moi, j'ai été toujours un défenseur avec des gens comme Vanik Berbarian, que vous avez bien connu. Pour certains d'entre vous, de défenseurs d'un monde rural qui soit positif, actif, réclamant et demandant, mais en même temps pas replié sur les difficultés, ouvert sur ses potentialités. Ça, c'est un premier élément. Et la deuxième chose, c'est sur LEADER en particulier. D'ailleurs, c'est pas
Il y a peu de programmes qui organisent des journées depuis des années, des rencontres nationales comme le programme leader. Pourquoi ? Il n'y a pas ça sur FEDER. Hein. Vous n'avez pas des rencontres, des programmes FEDER ou des programmes FSE ou de tel ou tel. Pourquoi ? Parce que leader, c'est un état d'esprit particulier. C'est une forme de... C'est le territoire de ceux qui veulent développer, de ceux qui veulent innover, de ceux qui sont optimistes de la capacité territoriale et des hommes et femmes qui la composent. Et donc, si j'avais un vœu à formuler, c'est de garder l'esprit du programme leader et de ne pas le banaliser comme un dispositif qui viendrait simplement s'adjoindre à des politiques publiques nationales ou locales. C'est parfois un risque que j'ai vécu moi-même. Et ayant commencé un peu avec leader mon travail dans les collectivités et avec les collectivités, j'ai toujours veillé à faire en sorte qu'on ne dise pas simplement c'est une forme de, pardon, inversée de cofinancement. C'est les politiques nationales et puis le programme leader vient se caler dessus. Et donc, j'inviterai assez volontiers tous, compte tenu de ce qu'est l'état d'esprit leader, et simplement parce qu'il y a des rencontres comme celle-ci, à ne pas banaliser leader, parce que leader, ce n'est pas du tout banal comme initiative et comme invention. Ok, super. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'on peut applaudir Marc Fesneau dans un premier temps d'avoir été là, d'avoir diffusé ce message. Et puis, on va passer, si vous le souhaitez, si quelqu'un ou quelqu'une a une question à poser à Marc Fesneau, très volontiers, on lui passe la parole. Pas de questions immédiatement. Je pense, Monsieur le ministre, qu'il faut que tout le monde se réveille. La soirée a peut-être été un peu difficile. Oui, je connais les soirées leaders, donc je sais que les soirées... J'ai un souvenir de soirée en Bretagne, d'ailleurs, d'un programme leader. D'accord. C'est vrai que vous êtes venu à Saint-Brieuc il y a peu de temps, je crois. Par ailleurs, mais j'ai été à un programme leader à une soirée bretonne, c'était il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années. Et donc, j'ai un souvenir des soirées leaders, donc je comprends que le matin soit plus difficile que d'autres. Ah bon, très bien. Eh bien écoutez, je vous propose... S'il n'y a pas de questions, Marc Fesneau, merci d'avoir été là ce matin. Un dernier petit mot pour celles et ceux qui sont en face de moi et finalement qui sont en train de vous regarder. Non, simplement merci de m'avoir accueilli. C'est toujours un plaisir et continue à faire ce que vous faites. Il y a une question que je n'ai pas vue, Marc Fesneau, restez parmi nous. Je reste. Je n'ai pas vu une personne qui voulait poser une question. Ne vous inquiétez pas. Ah non, ben non, il n'y a pas de question. Alors, désolé. Si. Ah, merci. Voilà. C'était quelqu'un qui se détendait tout à l'heure, mais merci. Il faut faire attention dans ces cas-là, à ne pas lever la main, on est vite dénoncé. C'est un peu comme aux enchères. C'est comme aux enchères, voire dans une place. Exact. Bonjour Marc, c'est Yolaine de Courson, de Côte d'Or. Merci beaucoup de soutenir les programmes leaders. Et on voit que tu le soutiens de loin puisque tu en as fait partie pendant longtemps. Simplement, ma question, c'est comment le Parlement pourrait soutenir encore plus les programmes leaders, par exemple, lors d'une prochaine mandature. Est-ce que on pourrait faire plus au niveau parlementaire? Merci Yolaine de Courson qui participe tout à l'heure à la table ronde, justement. Merci. Que je connais pour son travail sur les questions rurales. Le Parlement, il a deux choses à faire, à mon avis. C'est un, d'être en dialogue avec le gouvernement et ses collègues des autres parlements, d'ailleurs, pour préserver ce qui est leader et préserver dans la programmation qui va s'ouvrir un certain nombre de fondements. Je sais qu'il y a parfois des craintes, d'ailleurs. À chaque programmation, il y a toujours eu une crainte sur leader. Je ne sais plus si c'était leader au moment de leader 2 à leader plus qu'il n'y avait pas eu une volonté de faire disparaître carrément leader. Et donc, je pense que les parlementaires, ils doivent auprès des gouvernements et de ce gouvernement comme des suivants, de ceux qui viendront après, faire en sorte qu'on préserve cet acquis de leader. Deux, je pense que je vois assez peu produire de rapports parlementaires sur les innovations rurales. Alors, les groupes leader France... on produit beaucoup de capitalisation. Je sais que vous avez des tas d'endroits où vous capitalisez sur les expériences, mais je pense que les parlementaires pourraient se saisir de cette question-là pour essayer d'avoir une forme de capitalisation. Parce que leader, c'est aussi la volonté de rendre transférable, sans que ce soit reproductible à l'identique, mais de rendre transférable les choses. Et donc, voilà les deux points sur lesquels j'aurais envie d'insister, c'est de faire en sorte que, auprès des gouvernements et par ailleurs en termes d'évaluation, vous regardez bien ce qui se fait dans les... Et peut-être un troisième, c'est à chaque fois qu'on a une politique publique, tout ne peut pas être passé par l'innovation, il y a besoin de politiques publiques un peu structurelles, on le sait tous,
mais qu'on ait toujours un pendant national à ce genre de dynamique comme leader, c'est-à-dire de veiller, vous, parlementaires, auprès des administrations et du gouvernement, à ce qu'on ait la souplesse nécessaire, parce que leader, de quoi il peut mourir? Il peut mourir d'une forme de rigidité trop grande de nos process administratifs nationaux comme locaux, parce que les collectivités ne sont pas forcément… Les grandes collectivités peuvent avoir ce type de difficultés aussi, je parle des régions. Et donc, c'est ça sur lequel il faut veiller, me semble-t-il, parce que sinon, ça pourrait entraver la bonne marche de ce programme-là. Voilà ce que je voulais dire. Parfait. Merci beaucoup. Pas d'autres questions. On va arrêter parce qu'on va prendre pas mal de retard. Merci, Marc Fesneau, d'avoir été avec nous. On vous applaudit encore. Et puis, très belle journée à vous. À bientôt en Bretagne. Pour une journée leader ou une autre journée, en tous les cas, vous êtes toujours le bienvenu. Alors, c'est un peu rock ce matin parce que j'apprends qu'il y a des soucis de… Ça me fait rire, mais ça ne doit pas faire rire ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se dire, parce qu'il semblerait qu'il y ait quelques soucis de traduction qui sont en cours de correction. En tous les cas, on me le confirme. Désolé, tout s'est bien passé hier. Eh bien, il y a des moments où les choses sont un tout petit peu différentes. Pourtant, les traductrices n'étaient pas de la fête. Ah, formidable. La pauvre Etty, elle va être… j'ai tâché d'être polissée et de ne pas dire trop de bêtises. Alors, on va continuer. Alors, surtout, ne vous inquiétez pas, vous allez intervenir comme prévu. Mais on va, cette fois, écouter une vidéo, j'imagine que toujours possible. J'en parlais tout à l'heure, on va le découvrir ensemble. C'est une vidéo en anglais, cette fois-ci, donc la traduction va être en français. Et il s'agit de Janusz Wojciechowski. Donc, Janusz Wojciechowski, qui est le commissaire de la DGA Agriculture, de la Commission Agriculture, qui ne pouvait pas atteindre, qui en revanche tenait impérativement à vous transmettre, à nous transmettre, eh bien, le message qu'il va nous donner. Donc, nous avons une petite vidéo que vous pouvez écouter et Letty va traduire en même temps ou traduire ce que j'ai dit. Pop, pop. To say what he said in French. So for now, we are going to present. We are very sorry about the translation, and it seems like it's back. So I will hand over the mic. Ah, je croyais que tu voulais garder mon micro parce que ça ne fonctionnait pas. C'est bon? Tu traduis en français en direct? On n'entend pas, ah ben décidément, mais… I cannot join you in person. As we all know, leader is about bringing people together. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à cette célébration de leader dans l'UE. From the ground. I hope that I will soon be able to speak with que bientôt, je pourrai m'entretenir avec vous en personne et voir vos actions et vos réalisations sur le terrain. For now, let me congratulate pour l'instant, you laissez-moi permettre-moi de vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli. I do not need to tell you why je n'ai plus besoin de vous dire pourquoi leader est une force aussi impressionnante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2800 groupes d'action locale travaillant dans les zones rurales de l'UE, de l'Union européenne. Plus de 150 000 projets mis en œuvre et approximativement 60% de la population rurale totale de l'Union européenne couverte par ce programme. Mais la meilleure façon de comprendre leader, ce n'est pas en observant les chiffres et les statistiques au niveau de l'Union européenne, mais plutôt d'observer les populations locales, les projets locaux qui répondent à les besoins locaux. Aussi, je vous félicite pour votre travail visant à favoriser, à stimuler le développement économique local, à soutenir les services et la vie sociale et à améliorer la vie quotidienne des citoyens vivant dans les zones rurales de façon multiple. Je voudrais vous féliciter pour vos efforts visant à améliorer la gouvernance locale afin de rassembler les acteurs concernés, de coopérer avec les autorités de gestion, les organismes de financement et les réseaux ruraux afin de créer une vision rurale, une vision commune des localités rurales.
Je voudrais aussi vous féliciter pour vos efforts visant à encourager les personnes à améliorer leurs compétences, à faciliter l'innovation et à garantir des solutions gagnant-gagnant pour vos communautés. Je vous remercie pour votre travail. C'est un travail de qualité continue et j'espère qu'il se poursuivra dans les années à venir. Nous aurons beaucoup à accomplir quand nos zones rurales s'engageront dans la transformation écologique et la transition numérique, et nous devons aider nos zones rurales à tirer parti des opportunités qui se présentent à eux et à maintenir la cohésion sociale. Nous devons veiller à ce que chacun ait sa chance et que personne ne soit laissé pour compte. Au sein de la Commission européenne, nous avons défini nos stratégies pour mettre en œuvre ces ambitions à travers la vision à long terme pour les zones rurales, le pacte vert européen, Horizon Europe et les plans stratégiques de la politique agricole commune, pour n'en citer que quelques-uns. Bien sûr, ces stratégies ne sont encore que des stratégies pour en faire de véritables solutions. Nous devons joindre la parole à l'acte. Joindre l'acte à la parole, plutôt. Nous avons bien vu ce que leader peut réaliser sur le terrain en combinant des personnes compétentes et une méthodologie qui a fait ses preuves avec l'expérience locale et l'esprit communautaire. En exploitant ces qualités, je suis convaincue que vous pouvez apporter une contribution bien plus importante à notre travail dans les années à venir et à aider à réaliser nos objectifs communs pour l'avenir des zones rurales dans l'Union européenne. Ainsi, alors que nous célébrons vos réalisations aujourd'hui, vos réussites, nous pouvons également envisager ce que nous allons faire demain, car je suis convaincue que pour vous tous, au sein de Leader, les meilleures années sont encore à venir. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la suite du programme et à la suite des introductions. Donc, je vais demander à Vincent Alnaud s'il veut bien nous rejoindre. Vincent Alnaud, il est à la fois maire d'une petite commune non loin de Pleuc-l'Hermitage, puisqu'il s'agit de Plaintel, mais il est vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, vice-président aussi du Conseil départemental des Côtes-d'Armor, chargé dans les deux cas des finances et plus particulièrement pour le Conseil départemental des contrats de territoire. Il remplace au pied levé, si j'ai bien compris, Christian Couaille, qui a eu un tout petit souci. Vincent Alnaud, bienvenue, à vous la parole. Je pense que vous allez traduire sans problème et que tout devrait bien se passer. Merci d'être là avec nous ce matin. Merci à vous, mesdames et messieurs, bonjour. La dynamique de cette matinée est déjà bien lancée. Néanmoins, je vous adresse un message d'accueil. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous et de représenter avec ma collègue Solène Mellet le président Couaille qui, comme vous l'avez dit, a été empêché. Ces journées autour du programme Leader mettent en avant deux réalités qui nous sont chères dans le département des Côtes d'Armor, l'Europe et la ruralité. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que nous en parlions ici ce matin à Pleuc-l'Hermitage, puisque je sais que ce sont deux combats, deux idées que le maire de Pleuc-l'Hermitage, Thibaut Guignard, défend ardemment. L'actualité nous le rappelle cruellement, l'Europe, son unité est plus nécessaire que jamais. À l'heure où la guerre frappe de nouveau notre continent, nous mesurons l'importance du projet européen, de son idéal de fraternité des peuples. À l'heure où certains dirigeants bafouent le droit international et le droit d'un peuple à disposer de lui-même, nous mesurons à quel point l'Union européenne constitue une garantie pour notre sécurité. Mais cette agression montre aussi que l'idée européenne est un formidable vecteur de solidarité. J'en veux pour preuve les élans spontanés de nos concitoyens et de nos collectivités en faveur de l'Ukraine. C'est d'ailleurs cette notion de solidarité que l'on retrouve, me semble-t-il, dans la philosophie des fonds Leader. La solidarité entre les territoires est aussi au cœur de l'action des départements qui sont chefs de file en matière de cohésion locale et sociale. Elle prend d'ailleurs différentes formes,
comme l'aide à l'ingénierie ou le soutien à l'investissement communal via les contrats de territoire. C'est une compétence essentielle pour défendre la ruralité à laquelle tout le monde ici est attaché. À l'heure où les métropoles ont tendance à assécher les territoires alentours, il est fondamental de défendre un aménagement équilibré de notre territoire. Et les fonds LEADER participent de cette ambition. La promesse d'égalité est un fondement de notre pacte républicain. Souvent réduit aux droits individuels, ce principe recouvre aussi l'égalité entre les territoires. Les rencontres comme celle d'aujourd'hui ont ainsi le mérite de souligner que l'égalité entre les territoires constitue un enjeu républicain essentiel. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Merci. Merci Vincent Alnaud. Alors, on va passer à la suite du programme. Je souris parce qu'on a pris quand même pas mal de retard et généralement, ça se passe rarement de cette manière-là. Mais je crois qu'on n'a pas le choix et on va démarrer cette fameuse table ronde que tout le monde attend avec impatience, intitulée « Les fonds européens, une opportunité pour les ruralités en France et en Europe ». C'est la suite de nos deux tables rondes d'hier et pour parler de cette thématique, pour évoquer les expériences en Europe et en France, j'ai le plaisir d'appeler à me rejoindre Yolaine de Courson. On l'a entendu tout à l'heure. On l'applaudit chaleureusement parce que je pense qu'il va falloir prendre des forces après ce démarrage un peu particulier. Yolaine de Courson, qui est présidente du groupe Enjeux de la ruralité à l'Assemblée nationale. Vous me corrigerez, Yolaine, si je me trompe. Installez-vous là où vous le souhaitez. Valérie Drézé-Humez, qui est chef de la représentation de la Commission européenne en France. Valérie, pareil, merci. Ulrika Landergren, qui est présidente de la Commission NAD du Comité européen des régions. Bienvenue, Ulrika. Et puis, nous devions avoir à cette table ronde Joël Giraud, mais vous l'aurez bien compris, qui ne peut pas nous rejoindre et qui nous rejoindra à 11h. Mesdames, merci de vous installer. Et enfin, Monsieur Francesc Boya Alos, secrétaire général espagnol du défi démographique au sein du ministère de la Transition écologique et du défi démographique. Merci de nous rejoindre. Alors, pour qui parle en anglais, je crois qu'il y a un micro dédié à l'expression anglaise. Ce n'est pas moi qui l'ai. Pop, pop, un micro anglais, c'est chouette. Bon, je ne sais pas, c'est celui-ci pour vous plus particulièrement. Mais de toute manière, vous pouvez le partager, il n'y a pas de souci. C'est davantage pour la visio. Alors, mesdames, messieurs, monsieur, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes bien installés, tout va bien. Excusez-nous pour le retard. Ma première question, elle va être pour Valérie. Valérie Drézé, si vous voulez bien nous dire, on est en pleine présidence française et vous êtes chef de la représentation de la Commission européenne en France. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre mission et puis ce qui légitime votre présence plus jamais ici à Pleuc-l'Hermitage. Merci, bonjour à tous. Je ne savais pas que je devais légitimer ma présence, mais je vais quand même vous répondre. Bien, alors la représentation de la Commission européenne en France, c'est plutôt finalement... qu'est-ce qui fait qu'on ne pouvait pas se passer de vous. Merci, parfait. Donc, c'est l'ambassade de la Commission européenne en France. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, nos missions, c'est à la fois, bien sûr, d'assurer l'information sur les propositions de la Commission, les projets, les programmes, les sources de financement, les aides, etc. Mais c'est aussi assurer vraiment un retour d'information. Je pense que c'est très important d'éviter, surtout avec les caricatures de Bruxelles que nous connaissons tous, de faire de la politique hors sol.
Et le fait que nous soyons sur le terrain, ou plus près des territoires, c'est aussi faire remonter des sensibilités sur les politiques qui sont différentes suivant les États membres, bien entendu, et évidemment dans un État membre aussi. Donc on est vraiment un trait d'union, un passeur d'Europe dans les deux sens, et je pense que ce lien, c'est très important, et particulièrement sur les territoires, qui est au cœur de notre action depuis plus de 18 mois, où on a vraiment notre bureau de Marseille qui est dédié à ça, qui est être aux côtés des élus locaux, des partenaires, pour qu'ils bénéficient de cette Europe qui est une opportunité pour eux. On en reparlera tout à l'heure justement de Marseille et de ce pôle territorial. Alors merci Valérie. Ulrika Landergren, justement, on parle effectivement de la proximité avec les territoires, cet exemple de Marseille sur lequel on viendra. Vous, comment vous voyez justement le rôle du comité des régions pour rallier toutes les régions et les collectivités locales à la réalisation d'une telle vision? On vous écoute et j'espère que la traduction va fonctionner formidablement bien. Yes, I think it does. Oui, je pense que ça a bien fonctionné. Ça fonctionne. Merci d'avoir posé cette question. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cet événement de haut niveau, très important. Je pense que c'est une très bonne occasion pour nous de rassembler des acteurs nationaux, régionaux et locaux. Le comité des régions a pour objectif de faire entendre la perspective locale dans tous les domaines. Et le comité des régions croit fermement en la coopération et les partenariats entre les différents niveaux de gouvernance. C'est la bonne recette qui mène à la réussite. Alors, le développement rural a été, selon nous, réduit à sa dimension agricole pendant trop longtemps, alors que les zones rurales sont très diverses et variées. Même au sein des régions agricoles, il y a des hôpitaux, des docteurs, des écoles, des PME, un héritage, un patrimoine culturel, ce qui signifie que nous devrions aller plus loin que l'agriculture. Pendant trop longtemps, les zones rurales n'étaient pas assez visibles au sein des politiques européennes. Beaucoup d'entre elles se sentaient laissées pour compte et exprimaient leur frustration lors des élections. Le comité des régions, depuis de nombreuses années, tente d'inverser la tendance. Et lorsque la Commission a enfin adopté une vision à long terme pour les zones rurales l'année dernière, nous avons passé une étape importante. Le cadre stratégique au niveau européen n'avait pas connu ce genre de réussite depuis longtemps. Et je pense que la vision à long terme pour les zones rurales rend un élément bien clair. Les zones rurales sont une part intégrante des politiques européennes. Par exemple, la transition écologique et numérique ne sera pas une réussite sans la participation des zones rurales. L'Union européenne ne se remettra pas de la crise de la COVID si nous excluons les zones rurales des efforts de financement de l'Union européenne. Je voudrais aussi parler de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Nous devons donner des perspectives aux populations des zones rurales et c'est ce à quoi nous travaillons au sein du comité des régions. Voilà, je vais m'arrêter sur ce point. Merci. Merci, merci. J'aimerais avoir, si vous voulez, Frances Boyalos, justement, le regard de l'Espagne. Pour vous, les fonds européens sont une véritable opportunité. Et le rôle des régions dans les coopérations transfrontalières est déterminant pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. En tout cas, je voudrais en principe de remercier énormément à l'IDER pour cette opportunité de partager avec parmi vous cette réunion, cette rencontre. Et
Évidemment, pour nous, c'est les fonds européens, ça a été une énorme opportunité pour relancer. Ça, c'est, on les connaît bien chez les groupes leaders. La transformation qu'il y a eu de notre milieu rural, merci aux fonds européens, mais aussi au travail des hommes et des femmes qui sont engagés dans des groupes d'action locale. Et je veux souligner spécialement les femmes, parce qu'aujourd'hui, on est le 8 mars, c'est le jour des femmes. Oui, on en parlera tout à l'heure, parce que justement... Mais je crois que ça ne serait pas juste de ne pas les faire, parce qu'on sait bien, je regarde les copains hommes, les présidents du groupe leader, et on sait qu'en Espagne, ceux qui font l'attraction, ceux qui sont les plus actifs dans les travaux, dans les milieux ruraux, ce sont justement les femmes. Les femmes. Et pourtant, il faut les signaler. On est dans une situation très spéciale, très difficile aussi. On vient de superer une pandémie. Après, maintenant, on a une situation dans une guerre qu'on ne sait pas bien comment elle va se finir. Et pourtant, on était, par contre, dans un processus de récupération, merci au Next Generation et la possibilité de faire ces combats qu'on fait ensemble, toute l'Europe, front des dégâts qui a fait la pandémie dans notre économie. L'Espagne, justement, elle en a souffert beaucoup. Et maintenant, on était en train d'avoir une stratégie, justement, pour que ce fonds, ils arrivent aussi au milieu rural. L'Espagne, elle a une caractéristique, une situation très compliquée dans les milieux ruraux. C'est vrai que mon défi maintenant, c'est justement trouver des équilibres entre les grandes villes. Ces deux phénomènes qui sont la grande ville, la dépopulation de tout un intérieur qui se vide et qu'on a presque le 80% de la population qui est dans les grandes villes, c'est-à-dire dans 4-5 grandes villes du pays. Et pourtant, on a un défi énorme. Et pour ça, on croit que la politique de l'Union européenne et surtout la politique de cohésion territoriale, c'est la grande palanque qui peut nous permettre de basculer tout ça et avoir un milieu rural qui soit vivant, parce qu'en plus, on sait que les grandes villes, elles ne vont pas être capables d'avoir un avenir qui soit soustentable, sinon à pas un milieu rural qui soit vif, qui puisse s'en occuper des forêts, qui puisse s'en occuper de l'alimentation, qui puisse s'en occuper de l'eau, de l'énergie, etc. On en a besoin de tout ça, mais tout ça, ça ne sera pas possible si on n'a pas un milieu rural qui soit vivant. Pourtant, il nous faut les fonds européens, il nous faut la politique européenne et surtout, il nous faut la conviction pour que ces milieux ruraux ils soient un protagoniste de l'avenir. Alors, la conviction, justement, la conviction, c'est aussi la conviction des élus. Je voudrais bien qu'il y ait Yolaine de Courson, vous qui êtes présidente du groupe Enjeux de la ruralité de l'Assemblée nationale, eh bien, comment vous tentez, vous, au quotidien, dans ce groupe qui a un peu moins de 200 adhérents, si je me souviens bien, de sensibiliser les élus pour diffuser, déployer cet esprit leader et cet esprit de la nécessité de développer et d'être présent dans les zones rurales. Merci. D'abord, merci Paco, parce qu'aujourd'hui, on est le 8 mars et on a commencé cette réunion pendant une heure avec quatre hommes. Je me disais, c'est inquiétant. C'est inquiétant et parce que... On se rattrape bien. Plus il y a de diversité, plus il y a de vie, plus il y a de diversité, plus il y a de résilience. Et c'est très important, je vous le dis, mais sans incriminer personne, sans reproche pour personne. Sûr. Mais il faut, mesdames qui sont là, messieurs qui sont là, faire toujours attention à ce qu'il y ait cette diversité, à ce qu'il y ait vraiment ce mélange des voix et ce mélange des opinions, parce que c'est très facile de glisser, comme on l'a fait ce matin, vers parce que plus compétent, entre guillemets, peut-être plus machin, plus président, plus ceci, plus cela. Il faut qu'on arrête ça. Il faut vraiment y réfléchir et effectivement faire la place, toute la place, et notamment aujourd'hui, je crois que... Voilà, bon. Donc... Alors, on ne peut que vous applaudir. Et puis... Je vais répondre à votre question. Allez-y. Vous verrez tout à l'heure, effectivement, dans ce qui se passe par la suite, que effectivement, tout ça est particulièrement salué. Merci. Voilà. Mais il faut qu'on le fasse tous ensemble. Ouais, c'est, voilà. Sûr, il faut qu'on s'y sûr. Mette. Il faut juste qu'on l'ait dans la tête et dans le cœur. Alors, à l'Assemblée nationale, oui, moi, je suis présidente d'un groupe Enjeux de la ruralité.
qui est transpartisan. Hein, oui. Donc, il y a tous les groupes parlementaires donc, et on discute des sujets de fond. Mais si vous voulez, moi, pour diriger ce groupe Enjeux de la ruralité, moi, j'ai déjà une vision de la ruralité qui n'est pas une ruralité gémissante. On n'a pas ci, on n'a pas ça. C'est vrai qu'il y a des tas de choses qu'on n'a pas. C'est vrai que l'État, les États doivent faire des choses pour la ruralité s'ils croient en la ruralité. Mais moi, je crois aussi surtout que nous, les gens de la ruralité, nous devons faire de la ruralité une ruralité conquérante. Et notre premier problème, c'est qu'on ne croit pas assez en nous. Moi, je l'ai remarqué chez nous, qu'on n'a pas assez d'estime de soi. Donc, il faut qu'on ait plus d'estime de nous, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Paco, c'est chez nous que va se jouer l'habitabilité de la terre, par exemple. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, l'eau, la terre vivante, l'air, la biodiversité, vraiment tout ce qui fait le vivant, c'est nous dont c'est nous avons là cette responsabilité. Donc, il faut que nous prenions cette responsabilité. Et en Europe, il faut que nous la prenions parce que c'est chez nous que vont se jouer justement cette résilience, cette autonomie, cette souveraineté. Mais il faut qu'on l'ait de façon européenne et à ne pas se replier chacun dans son pays, parce que ça pourrait être un danger. Quand j'entends, par exemple, les circuits courts, moi, j'habite dans la ruralité, j'étais maire d'un village de 100 habitants. Donc, quand vous êtes maire d'un village de 100 habitants, vous faites tout. Hein, vous bouchez les trous des routes, vous regardez si Marcel est bien réveillé. Oui, ça va, il a ouvert ses volets. Bon, vous êtes vraiment dans la vie. Et je pense que, par exemple, quand on dit circuit court, c'est un genre de truc, on va se suffire à nous-mêmes et puis voilà, et on peut se rétrécir et faire moins d'Europe. Mais si on veut faire plus d'Europe, par exemple, pour les circuits courts, il faudrait qu'on fasse un réseau des circuits courts pour qu'on apprenne du circuit court roumain, du circuit court espagnol, et que je suis sûre qu'on a plein de choses à apprendre les uns des autres. Et c'est ça l'esprit d'une ruralité conquérante qui va se battre pour des nouveaux droits, pour une nouvelle vision d'elle-même et pour dire on a une sacrée responsabilité du vivant et on veut l'assumer, mais il faut qu'on ait les moyens pour le faire. Voilà. Alors Valérie, justement, je voudrais bien que vous réagissiez à ce que vient de nous dire Yolène, c'est-à-dire que vous, vous avez effectivement quelque chose qui vous anime. On doit montrer que l'Europe, justement, dans ce sens-là, est de proximité. Vous pouvez nous en dire davantage sur à la fois cette volonté et en même temps les moyens qu'on peut se donner pour la rendre de grande proximité et du grand partage, tel que Yolène de Courson vient de l'évoquer, c'est-à-dire le partage aussi entre les nations. Alors, d'abord, je voudrais rebondir sur cette approche, être conquérant et déjà travailler pour nous-mêmes, parce qu'évidemment, vous imaginez que par rapport à la Commission européenne, c'est plutôt l'inverse qu'on a souvent. Donc, ça me fait chaud au cœur. Alors, je le souligne, en se tournant vers nous, souvent avec des problèmes et peut-être avons-nous des solutions. Mais je pense, par exemple, qu'en termes de zones rurales, et ça a été dit plusieurs fois ce matin, s'il y a une vision à long terme, comme le disait le commissaire précédemment, c'est qu'il y a une dimension et une attention spécifique qui est portée à la ruralité, et pas seulement parce que c'est dans le traité, mais c'est parce que c'est 80% des territoires, 30%, voilà, donc c'est des réalités importantes. Et ce qui est important, c'est effectivement de répondre à ces besoins et aussi de valoriser les atouts. On en a parlé, ce n'est pas juste une liste de problèmes et de difficultés qui existent, qu'il ne faut pas nier. Les programmes européens sont là pour pallier certains, mais on a parlé de transition écologique, de transition numérique. On reparle, bien entendu, la situation est dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, puisque c'est un des piliers d'une Europe puissance, une Europe résiliente, de savoir quels seront les atouts en termes de sécurité alimentaire, en termes de ressources de biodiversité. Donc, ces atouts sont importants aussi à valoriser par l'échange, par le soutien des programmes qui vont permettre de les garder vivants. Et nous, donc, par les programmes européens, nous permettons ceci, puisque je disais, je crois, ce matin à la radio que, par exemple, les fonds européens en Bretagne, c'est 30 000 projets entre 2014 et 2020. Ça, c'est des 1 milliard d'euros qui ont été valorisés pour changer la vie de tout un chacun. C'est ça qui est important. Et du côté de la représentation, nous essayons effectivement de rapprocher au maximum en allant vers les élus, en leur proposant des séminaires, en leur disant comment faire, en les mettant en partenariat, puisqu'effectivement, cette dimension de partenariat à travers les expériences, les territoires et l'Europe est extrêmement important. Ouais. Pourquoi aussi ? Parce que souvent, j'imagine que vous vivez en étant là,
on a beaucoup plus confiance de ce qu'un de vos pairs va dire que si la Commission dit « il y a qu'à, il faut faire comme ça ouais. ». Donc, je pense que c'est aussi notre intérêt de que les réseaux soient vivants, que l'échange d'expériences à travers les territoires et au niveau européen se fasse pour qu'ensemble, effectivement, on dessine non seulement des territoires ruraux qui évoluent et qui sont directement vus comme une contribution. L'Europe est un message d'inclusivité. Et ça, c'est très important de le rappeler au niveau de ces territoires et des hommes et femmes qui vivent sur ces territoires. Alors, peut-être que vous pourriez évoquer en Espagne ce qui vous tient aussi à cœur, justement, comme un fonds qui est moteur de l'équilibre entre zone urbaine et zone rurale. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. En dire quelques exemples où cette nécessité qui complète ce que viennent de dire à la fois Yolène et Valérie. Merci. Vraiment, il faut chercher cette complémentation entre les zones urbaines et les zones rurales. C'est vrai qu'en Espagne, on est en train de faire pour l'instant une structuration du territoire, c'est-à-dire pour être capable d'agir dans quelque manière à réduire toutes les grandes gaps qu'on a entre les rurales et les grandes villes. Vous avez parlé du numérique, par exemple. On a mis en place un plan de 130 mesures qui sont avec 10 000 millions d'euros pour justement faire réduire cette distance qu'il y a entre les moyens, entre le milieu rural et les urbains. Et il faut chercher les collaborations. C'est pas simple, je dois le dire. C'est-à-dire que dans des milieux ruraux qui sont vraiment affaiblis, qui beaucoup de fois, ils ont perdu... le talento, je ne sais pas comment vous disiez, mais les jeunes qui sont partis, on a des populations qui sont vieillies. Et pourtant, ce qu'on est maintenant à mettre en place, ce sont justement des stratégies entre les universités, les grandes villes, et puis des processus d'innovation sur le rural. Alors là, on a créé les centres d'innovation territoriale pour essayer de rattraper de nouveau des talents, de jeunes qui veulent rester, qui sont bien préparés, qui veulent rester sur les territoires et qui sont capables de faire de l'innovation. Parce que c'est sûr que si on continue à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, les résultats, ils vont être les mêmes. Pourtant, il faut qu'on change absolument. Ouais. Et les changements, ça doit venir justement pour une autre manière de faire les choses, pour une autre manière de voir aussi les rurales. Je suis absolument d'accord avec Yolande pour empoderer et faire que le milieu rural il soit capable aussi de faire écouter sa voix dans l'urbain et faire comprendre aussi aux citoyens qui habitent dans les urbains que c'est son attitude, c'est ses modèles de consommation, il est aussi très rattaché au futur du rural. C'est-à-dire qu'il faut faire cette pédagogie, il faut faire comprendre aux citoyens que quand on va dans notre chariot pour faire les achats, il faut qu'on pense aussi ce qu'on fait avec notre argent, parce que c'est à partir de là aussi qu'on peut changer les choses. Pourtant, il y a une politique de gouvernance, on dirait. Pour finir, on a une politique de gouvernance de ce défi démographique qui, justement, elle implique les régions, elle implique les villes, elle implique aussi les acteurs territoriaux qui sont, et aussi les académiques qui sont très importants pour faire ce changement. Pour vous, Ulrika, justement, quels sont les facteurs clés du renouveau rural qui est évoqué à l'instant et par là même le rôle du comité des régions et des autorités locales et régionales. Quel rôle elles peuvent jouer dans ce cadre-là tel que vient d'être évoqué ce renouveau rural, cette nécessité du renouveau rural? Thank you. We have heard of the funds and merci beaucoup. Je voudrais d'abord répondre à Valérie. Je pense au pacte rural et je pense que c'est un exemple excellent de ce que la Commission a pu faire. Nous avons énormément de fonds de cohésion, nous avons la PAC,
Nous avons le plan de résilience. Et maintenant, c'est à nous de réfléchir comment nous pouvons utiliser ces fonds et à quelle fin. Je pense, vous, Valérie a parlé de certaines façons, de certains secteurs, et je pense que nous avons énormément de divergences au niveau local. Les fonds sont utilisés de façon très différente. Donc, ça peut être utilisé pour l'économie, pour le développement durable, pour l'environnement. Je parlerai un peu plus tard de l'impact du COVID également. Nous parlons aujourd'hui des femmes. Comment attirer les femmes sur les territoires ruraux et apporter leur savoir-faire? Comment créer l'innovation par les femmes? Et ce que nous voyons, c'est qu'au niveau national, il n'y a pas de discussion avec les acteurs locaux concernant ces sujets. Au niveau national, vous avez des objectifs fixés, mais il n'y a pas vraiment de discussion avec les territoires ruraux. Vous, ici en France, vous avez cette perspective nationale et nous pensons qu'on peut appliquer les choses voilà, à l'échelle nationale, mais nous sommes tous très différents. Et au niveau local et régional, nous avons cette diversité et nous devons tenir compte de ces aspects. Nous devons engager les territoires ruraux pour développer l'Europe entière. Yolène, une remarque en tous les cas, une envie d'intervention suite à ce propos de Ulrika. Bien sûr, moi je vais toujours prendre la parole puisqu'il faut qu'on... moi je pense que le programme LEADER, par exemple, pour tous les sujets dont on parle, ce qui est particulièrement intéressant et ce qu'il faut surtout protéger, défendre, c'est le fait que ça soit des programmes ascendants, ouais, qui partent du bas pour aller vers le haut. Parce que dans tous les pays d'Europe, je pense qu'on a cette maladie des programmes descendants. C'est-à-dire, il faut rentrer dans les cases avant telle date et comme ça. Alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas un projet à date fixe. C'est pas, ah bah vite, il est, attends, demain c'est le 14 mars, il va falloir qu'on se dépêche de remplir le dossier. Alors que parfois, on n'a pas d'ingénierie financière, administrative, technique. Et ça aussi, c'est se faire confiance. Et là, je vois qu'il y a des jeunes et tout. Il faut que vous fassiez confiance d'avoir des projets qui partent du plus bas pour après. Après, s'ils ne sont pas complètement finis, ben, on les finit. Vous trouvez des partenaires. Vous pouvez parler avec d'autres Européens qui ont déjà fait la même chose. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est aussi, ça, c'est le rôle que joue LEADER, de faire un genre de projet totec. Voyez, ouais, où on peut s'inspirer. Parce que regardez, aujourd'hui, on est là tous ensemble, on parle, on est tellement contents de se voir. Et ben, c'est pareil, quand on a des projets, qu'on est dans son village ou qu'on est dans son bourg, pour faire des projets de numérique ou des projets de mobilité. Parce que, par exemple, un des problèmes que l'on a, parfois, c'est une des questions qu'il faut qu'on résolve, c'est l'isolement, la solitude dans les territoires ruraux. Et je pense que là, il y a des tas de possibilités, justement, avec le numérique, avec les mobilités, comme ici, Thibault, il a mis des voitures électriques en libre-service. Ouais. C'est formidable. Bon, ben, il faut se faire confiance et faire des projets du bas, parce que si c'est des projets du bas, ils seront uniques. Personne ne pourra avoir la même idée dans le même territoire avec les mêmes personnes. Frances Boya, les projets du bas, justement, en Espagne, comment les choses se passent? Est-ce que vous partagez, j'imagine, ce qui vient d'être dit par Yolène? Oui, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, absolument. Et il faut qu'on travaille sur cette capacité. Les group leaders ils sont un exemple, mais il faut qu'on travaille avec cette capacité de partager cette intelligence territoriale, c'est-à-dire de bien connaître qu'est-ce qui se passe dans un endroit, qu'est-ce qui se passe dans l'autre et comment ces exemples ils peuvent aider d'autres pour réagir et pour chercher son futur. Nous, j'évoque
une question que tu as suggéré il y a un moment. Nous, on a une stratégie transfrontalière avec le Portugal qui, ouais. Qui ça marchait très bien. C'est-à-dire, on a un défi énorme parce qu'on a plus de 1000 kilomètres qui sont la Raya, on appelle la Raya, mais ce sont un territoire qui est absolument vide pour des questions historiques. Et on est en train de dynamiser ça. Je crois qu'il faudrait faire aussi avec la coopération transfrontalière Espagne-France, et parce que c'est vrai qu'on a des montagnes au milieu, on a les Pyrénées, mais par contre, on a besoin aussi de serrer les liens, de travailler ensemble, de connaître très bien qu'est-ce qu'on fait dans un endroit ou dans l'autre. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à apprendre de la France. On suit avec très attention tout ce qui est l'agenda rural. Et nous, on a fait un choix. Enfin, on est un pays différent, c'est-à-dire qu'on est un pays très décentralisé. Pourtant, on voit maintenant qu'on a des lois spécifiques dans des communautés autonomes qui sont des lois qui cherchent un petit peu ce que vous expliquez, de travailler plus sur le terrain. Mais quand même, il faut penser, c'est-à-dire, et je retourne un peu au discours de Yolande, il faut penser que chaque territoire, il doit avoir son projet. C'est-à-dire, c'est indispensable que ça remonte d'en bas à nous. C'est-à-dire, sans ça, on peut aligner enfin tout ce qu'il faut pour que ces futurs, ça change, ces futurs, ça devienne un futur d'exit. Mais il faut avoir la concurrence du territoire. Et cette concurrence, effectivement, il faut l'incentiver, il faut trouver les manières de faire beaucoup de pédagogie, de trouver des exemples de bonnes pratiques, de bonnes politiques. Mais il faut la concurrence des acteurs locaux, sans doute. Avec la volonté ferme, et je crois que c'est une expression que vous utilisez, d'établir solidement une unité dans la ruralité ou dans les ruralités. C'est un terme qui vous est cher, ça. Bon, il faut parler de les ruralités. Ouais. C'est vrai que normalement, on parlait de la ruralité en général, mais il y en a tellement de ruralités, chacune avec ses conditions, avec ses particularités. Je crois qu'en plus, cette diversité, ça nous enrichit beaucoup. Je dis beaucoup de fois que dans la ruralité, il y a aussi un peu le sens de que la esencia, hein, je ne sais pas si je le dis bien en français, mais c'est la esencia de ce qu'il est l'Europe, c'est la diversité de langues, c'est la diversité ouais. des cultures. Voyez-vous que je viens d'un territoire qui préserve une langue qui est déjà presque à point de disparaître en France. Par contre, nous, on est côté espagnol et on tient encore, on est 4000 personnes à parler l'occitan. C'est une anecdote, si vous voulez, mais je crois que c'est la force de la ruralité, c'est la capacité de préserver, de retenir tout ce savoir historique qu'on a à être capable de faire, de construire avec des générations, et que par contre, c'est notre force devant les modèles de vie urbain qui deviennent absolument un modèle inodore, incolore, c'est partout pareil. On voit dans les centres commerciaux les mêmes choses toujours. Et par ouais. contre, c'est les rurales qui tiennent cette culture, cette force, cette capacité de retenir les savoirs que historiquement on a été capable de générer. Non, pourtant, je crois que là, il y a aussi une question que ce n'est pas, si vous voulez, tangible, mais que justement, il nous donne la force et il doit aussi lancer un très fort message aux administrations européennes, mais aussi dans les États, de dire qu'il faut préserver absolument ces cultures rurales. Valérie, c'est peut-être le moment, par rapport à ce que vient de dire effectivement Frances Boyer-Halos, de parler de l'approche spécifique avec le pôle territorial de Marseille. Est-ce que ce n'est pas le moment, au moment où on parle effectivement des ruralités et du lien avec l'urbain, de l'équilibre nécessaire? Oui, je pense qu'un des points que je voudrais relever, qui est très important, c'est cette notion de faire du sur-mesure. Ouais. On n'est pas dans le prêt-à-porter du projet, mais bien sûr, évidemment, il y a un cadre, hein, je veux dire, on le connaît tous, hein, ne serait-ce que parce qu'on a des contrôles financiers et autres qui préexistent, mais je pense que donner cette dimension du sur-mesure est très importante. Pourquoi ? Parce qu'on colle à une réalité, on répond à une vraie problématique. On n'est pas décalé, donc on n'a pas ni perte d'énergie, ni perte financière. C'est juste, je dirais, presque du
pragmatisme, en fait, de faire ce sur-mesure. Et justement, le pôle territorial, c'est un moyen d'aider à faire cela. Donc, évidemment, il y a un cadre préexistant d'un certain nombre de fonds avec des règles et des processus. Je dirais, il faut vivre avec. On a essayé de les simplifier dans le nouveau cadre financier 21-27. C'est jamais parfait. Mais en tout cas, la volonté est là et l'avancée est là au niveau européen. Donc, le pôle essaie vraiment de voir, que ce soit avec des élus locaux, avec les associations d'élus locaux, quels sont les besoins, quels sont vos problèmes, qu'est-ce qui va mieux y répondre, est-ce qu'il y a des exemples quelque part qui vont vous aider sur ce cheminement, d'autres partenaires avec qui on peut vous mettre en réseau. Donc, c'est un relais d'informations, un relais de partenaires, un moyen vraiment d'essaimer et surtout de permettre que ceux qui ont des idées aient un moyen facilité pour trouver des solutions qui existent, qu'elles soient financières ou d'ingénierie ou de compétences qui peuvent être disponibles. Donc, le pôle essaie de relayer tout ça. On était, par exemple, au Salon des maires il n'y a pas si longtemps pour être vraiment au plus près des réalités et de continuer à travailler avec eux. J'ai parlé de la dimension européenne, notamment au niveau de simplification et du cadre, et je pense que ça a été mentionné plus tôt. Il faut aussi penser à la dimension de transposition nationale. C'est très important, d'abord parce que souvent, quand parmi les critiques qu'on peut entendre sur la complexité, elles sont prêtées à Bruxelles, mais des fois, elles ne sont pas créées à Bruxelles. Ouais. Donc, je me permets de le dire, parce que je pense que c'est important d'avoir cette réalité. Hier, ça a été évoqué. Et que, j'aurais pu deviner en n'étant pas là hier, mais voilà. On a essayé, comme je disais, de simplifier ce nouveau cadre financier 21-27. Mais évidemment, si le millefeuille se reforme ailleurs, évidemment, l'objectif n'est pas atteint. Donc, c'est très important, on parlait de collaboration, de partenariat, quels que soient les angles, qu'on l'ait au niveau administratif comme on l'a au niveau des différents partenaires. Et je pense que c'est vraiment une des forces de leader d'avoir ce mode de gouvernance ascendant, voilà, j'allais dire bottom-up, merci, ascendant, qui permet justement, qui est un mode de gouvernance qu'on trouve maintenant dans beaucoup de politiques européennes, en fait, parce que à nouveau, on réduit la distance, on est sur de l'efficacité et de l'adaptation, comme je disais précédemment. Et ça, c'est des valeurs fondamentales, notamment si on veut avancer vers des résultats, puisqu'on est tous là pour avoir des résultats, pas juste pour remplir des dossiers et souffrir en remplissant des dossiers. Très bien, merci. Je vais vous demander, on l'avait un tout petit peu prévu avant de continuer, à chacune et chacun de poser une question à une compagne ou un compagnon de table ronde. Yolène, à qui avez-vous envie de poser une question et quelle question ? Ah, bon, c'est compliqué. Vous prenez de cours. Je vais poser une question... justement à Paco, parce que la question, c'est effectivement la démographification, que la perte d'habitants, dans certains cas, de certaines régions de moins d'habitants qui s'en vont, les jeunes. Et je pense qu'en Espagne, c'est vraiment un sujet très important dans certaines régions. Et la question, c'est concrètement, donc tu as dit tout à l'heure qu'il faut trouver des idées pour faire de l'intelligence collective, mais concrètement, comment est-ce que vous allez faire pour donner envie aux gens de repartir dans ces régions qui finalement ont été, par la métropolisation qu'on a tous connue dans tous les pays d'Europe, et qui ont transformé ces paysages et qu'il va falloir retransformer dans l'autre sens? C'est quoi les initiatives concrètes? Comment rendre les zones rurales en Espagne plus attractives? Bon, on est dans une stratégie qui a beaucoup de... il y a quelques programmes qui sont là-dessus, qui ont travaillé pour cette attractivité, dis-moi, du milieu rural. Mais j'en cite un, par exemple, que ça touche aux universitaires et qui s'appelle Campus Rural. Et on va avoir pour première année une expérience pour qu'il y a 250 ou 300 jeunes qui vont finir ces études et qui vont faire ces travaux de fin de cours, de fin d'études dans les rurales. C'est-à-dire qu'ils vont être aménagés soit dans des entreprises, soit dans des mairies
ou des institutions publiques. On travaille avec 36 universités pour faire ces programmes de manière que ces jeunes, ils vont avoir une expérience académique dans les rurales, mais ils vont avoir aussi une expérience, on dirait, affective. Et pourtant, on est en train de reconstruire un petit peu ce lien. Peut-être en France, vous les avez encore plus serrés, mais dans l'Espagne, les gens qui sont partis du milieu rural, ils sont partis dans des conditions très difficiles, après la guerre, etc. Et il y a une question là qu'on doit supérer. Et pourtant, on doit mettre en place ces projets de gens du urbain qui arrivent dans les rurales, qui reconnaissent les rurales et qui comprennent exactement la qualité de vie qu'on peut avoir dans ces villages. Alors, Ulrika, justement, je crois qu'au niveau du comité des régions, vous avez effectivement des, non pas des conseils, mais en tous les cas, un avis émis des avis pour faire en sorte que les zones rurales redeviennent plus attractives, à la fois pour les jeunes, on en parlait aussi tout à l'heure, pour les femmes, mais aussi pour les familles. Alors, c'est quoi effectivement ce principe du besoin d'un renouvellement générationnel dans les zones rurales? Yes, and first of all, thank you for the question. Tout d'abord, merci pour votre question. Je pense une des solutions clés, c'est de discuter avec les jeunes, de parler, de leur demander pourquoi, comment voudriez-vous revenir sur les territoires ruraux. Il y a un exemple en Suède. Ça s'est passé pendant la crise du COVID. Des familles sont parties des grandes villes à la campagne. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent, grâce aux technologies, habiter à la campagne et travailler de la campagne. Et donc, nous attirons aujourd'hui des populations avec un niveau de savoir-faire et d'expérience élevé. Ils cherchent peut-être un environnement plus agréable, des conditions de vie plus positives. Voilà, nous avons vu pas mal d'exemples durant la crise de COVID de ce genre de changement. Mais quand je pense aux femmes, je pense que nous devons discuter beaucoup avec les femmes. Bien sûr, nous devons rendre les territoires plus attractifs, mais nous devons aussi penser à répartir la charge familiale de façon plus équitable. Si nous voulons que les familles aient des enfants, nous devons répartir les responsabilités entre les pères et les mères. 98% of all the child are going to childcare from 1 year. So all people. Parce que nous savons que 99% de la garde des enfants, ce sont les femmes qui s'en occupent. Donc, si nous voulons que les femmes reviennent sur les territoires ruraux, nous devons faire quelque chose à ce niveau-là. Il y a tellement de femmes qui ont fait leurs études et qui restent à la maison pour s'occuper des enfants. Donc, nous devons responsabiliser la société pour trouver des solutions. Et ainsi, nous pourrons rendre les territoires plus attirants pour les femmes qui vont créer leur entreprise et ils seront plus tranquilles parce qu'elles sauront que leurs enfants sont gardés. Valérie, vous avez envie d'intervenir suite à cette intervention justement de Ulrika par rapport à ce qui a été dit de cette manière de rendre les zones rurales attractives et de voir comment les femmes prennent une autre place justement dans la vie de ces ruralités différentes. Je crois que
crois qu'effectivement, dans le panorama d'évolution qu'on est tous amenés à étudier, que ce soit l'impact démographique ou aussi l'impact du Covid avec les... Alors, je ne sais pas si dans tous les États membres, on a chiffré ces transhumances, je dirais, ouais. de la ville. Ça sera quelque chose d'intéressant. Je crois, par exemple, qu'au niveau français, le ministère de l'Éducation nationale essayait de quantifier le nombre de classes, par exemple, sur Paris, qui avaient été fermées suite au Covid. Donc, dès l'instant où il y a peut-être un phénomène qui rebat certaines cartes, en tout cas, ça va être important de voir comment garder cette attractivité dans la durée, parce que Dieu merci, on espère qu'on sort du Covid cette fois-ci, mais et revenir, ce que je disais précédemment, sur les atouts de ces territoires, de ces zones rurales, et de voir comment les multiplier, capitaliser dessus, pour faire qu'effectivement, que ce soit du côté des employeurs, de la mobilité, de l'accès aux soins, que tout suive, si je puis dire. On a, je mentionne l'aspect aux soins, c'est vrai, avec l'impact démographique, l'impact sur l'autonomie, où vont aller les personnes dépendantes, l'apport donné aussi à ceux qui s'occupent des personnes dépendantes. Et on retrouve la problématique des femmes dans cette dimension, de voir effectivement comment cet ensemble de nouvelles donnes va être vraiment intégré pour avoir ce plan à long terme des zones rurales, d'agenda rural, qui capture tous ces éléments. C'est pas facile, hein, quand je dis effectivement l'ampleur est importante. Ce qui est important, c'est les connexions, les liens entre ces différents domaines. Et c'est ce qu'on retrouve justement dans le soutien aussi des programmes, c'est qu'on n'est plus dans une sectorisation des problématiques et des réponses. Le fonds X pour ça, le fonds Y pour ceci. On doit vraiment repenser les intersections. Et c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est là qu'on va faire vraiment changer les choses. Donc, vous parliez des femmes, effectivement, le rôle des femmes, parce que il faut qu'elles aient accès à un emploi, qu'il y ait ce partage des tâches qui permettent de dire que effectivement aller chercher les enfants à l'école, c'est bien partagé, etc., etc. Et je refais le point avec la dépendance qui va augmenter, ouais. et le fait que ça ne s'entende pas uniquement sur les épaules des femmes, ou qu'elles n'aient pas ensuite accès à un salaire ou à une retraite, pour voir plus loin. Et donc au niveau commission, nous réfléchissons aussi là-dessus pour le soutien aux personnes qui aident, et que ce ne soit pas uniquement des femmes, pour qu'il y ait des perspectives pour chacun, dans un bon partage efficace et enrichissant pour les deux. Parfait. Pendant que vous avez le micro, une question à un partenaire de table ronde. À qui et quelle question ? Je reviens sur une de mes... Alors c'est une des formations professionnelles, l'habitude entre la dimension européenne et nationale. Donc, je me tourne vers Yolène à ma droite en disant vraiment comment, en tant que parlementaire, on peut... vous pouvez aider l'ensemble des parlementaires au-delà du groupe des ruralités pour vraiment faire aussi ce trait d'union avec l'Europe, avec la réalité sur le terrain, être vous aussi des ambassadeurs. Je dis ça pourquoi ? Parce que j'ai parlé à d'autres parlementaires, y compris au niveau des commissions des affaires européennes, et j'avais un peu l'impression que entre la casquette à Paris et la casquette dans les circonscriptions, le portage d'Europe était très différent. Donc, comment vous pouvez, vous qui êtes à la croisée des chemins et ceux qui sont autour de vous, animer ça un petit peu plus pour qu'on ait beaucoup plus d'ambassadeurs ? Alors, c'est vrai qu'hier, on a évoqué ce rôle des élus pour parler plus souvent et mieux partager ces dimensions de l'Europe. Alors, Yolène. Merci, Valérie. C'est vrai que les parlementaires, on a un rôle à jouer, et parfois les parlementaires ne savent pas comment le jouer, en fait. Et c'est pour ça qu'on en parle dans le groupe d'études enjeux de la ruralité, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire sur le terrain. Personnellement, dans ma circonscription, je fais par exemple avec Laurence Gauthier, qui est là présente, on anime ensemble ces initiatives. On fait les rencontres de la ruralité conquérante. Et là, on parle de partage européen, mais on met surtout en avant... Ce n'est pas nous qui parlons. Ouais. On met en avant toutes les initiatives qui existent, françaises, européennes, très locales. Et on s'aperçoit, en faisant ces rencontres de la ruralité conquérante qu'on a fait dans plein de régions maintenant, et qu'on continue à faire, c'est un peu itinérant. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des initiatives transrurales. Par exemple, on connaît un monsieur qui fait des tiers-lieux des tiers-lieux ruraux. Donc, il peut les faire là, il peut les faire chez vous, et à chaque fois, il adapte. On s'aperçoit que, par exemple, Marius Drény, de Villageois, il anime des villages, des places de villages, en faisant aussi comme une espèce de tournée qu'il organise avant.
Donc, il y a plein d'initiatives comme ça, transrurales, qui sont vachement intéressantes et qui peuvent être d'ailleurs financées par l'Europe, parce que c'est vraiment des initiatives de développement rural. Et je crois beaucoup aussi à la collaboration et à la coopération, la collaboration ville-campagne. Et donc, avec les parlementaires peuvent aussi entre eux faire de la collaboration entre ceux des villes et ceux de la campagne. Et on peut aussi animer en tant que parlementaire des choses entre les générations, c'est-à-dire entre les plus âgés et impulser des idées. C'est pas nous qui allions être vraiment à la manœuvre, mais par exemple, on s'aperçoit, et ça c'est le transgénérationnel dont parlait Ulrika, que les personnes âgées, elles sont mieux dans des centres-bourgs. Elles sont souvent dans des maisons isolées, et alors que les jeunes, avec leurs enfants, ils aiment bien avoir un jardin. Ouais. Alors, et là, il peut y avoir des échanges. Et quand on s'inspire, finalement, au niveau des groupes d'études, au niveau de ce qu'on fait ici, le parlementaire, il peut animer des rencontres, il peut aider, il peut faciliter, il peut donner accès à des ministres, il peut donner accès à des gens comme Valérie. Voilà, et ça, c'est tout son ouais. rôle, c'est d'être une courroie de transmission inspiratrice. Courroie de transmission inspiratrice, ça c'est super. Ulrika, est-ce que vous avez une question à poser à une de vos compagnes ou à votre compagnon de table ronde ? On vous écoute. Oui. I will go back to the youth. Alors, je vais revenir sur le sujet de la jeunesse. Quels sont les facteurs clés, selon vous, Valérie, qui permettraient d'attirer les jeunes? Quels sont les éléments les plus importants sur lesquels nous devons travailler pour attirer les jeunes afin qu'ils viennent vivre et travailler dans les zones rurales et pour faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte, pour que tout le monde puisse avoir accès à une bonne vie, une belle vie en Europe? Message à la jeunesse. En cette année européenne de la jeunesse, c'est le moment ou jamais, vraiment. D'abord, parce qu'on a eu ce débat sur là où les ruralités, je dirais, la jeunesse est aussi diverse. Il y a une première question, c'est l'accès, puisqu'on parlait d'agriculture, de maintenir une agriculture sur place. Et j'ai vu, en étant au salon de l'agriculture, beaucoup de jeunes qui étaient en formation, qui étaient très volontaires, très dynamiques. Donc, il faut leur permettre à cela d'avoir d'abord accès à l'expérience des plus anciens, qu'il y ait des passations, que ce soit au niveau des exploitations ou des façons de faire, et qu'il y ait un peu aussi de publicité un peu attractive pour des métiers qui sont méconnus ou qui ont beaucoup évolué en termes de technicité, par exemple, et aussi un pooling, mettre ensemble un peu des compétences, que ce soit au niveau administratif ou autre, pour qu'ils soient aidés, qu'ils aient envie de faire vivre la ruralité dans ces territoires. Après, il y a une autre jeunesse, si je puis dire, on avait la jeunesse active des villes, si je puis dire, qui rejoint les champs. Et comment leur permettre à avoir les accès, la connectivité, les écoles qui s'ouvrent, les perspectives pour les enfants de rejoindre plus tard le lycée d'une manière facile, si je puis dire, avoir aussi un accès à la culture. Je crois qu'on en a parlé précédemment, l'importance de la culture est primordiale aussi, parce que c'est des liens entre les personnes et c'est du tissu social qui se crée. Et donc, on doit avoir la capacité d'entendre, vous parliez d'entendre, listen to a bit more to them, les entendre dans leur diversité pour apporter ces réponses diverses. Qui vont se manifester par des soutiens différents, par aussi peut-être au niveau de l'éducation et des cursus, pour que ces dimensions un peu territoriales soient aussi présentes, pour que D'accord. quand on prépare des métiers, on ne voit pas juste uniquement des thématiques professionnelles un peu univoques, mais qu'on comprenne cette diversité et qu'on ouvre d'autres qu'on réflexions. Territorialise parce que les métiers les de demain, cursus. On sait tous ce qui se crée, il y en a plein qu'on ne connaît pas encore. Et donc, ces dimensions vont prendre leur importance. Quand on parle avec certains d'entre vous, maires de petites communes, on voit qu'ils sont juristes, administrateurs, motivateurs, travailleurs sociaux. Donc, on est dans des types de formations qui n'existent pas en termes de polyvalence, j'imagine. Mais le fait d'avoir des cursus qui sont aussi moins siloisés, je pense que c'est quelque chose aussi auquel on doit un peu réfléchir dans l'ouverture qu'on doit donner à la jeunesse par l'éducation, puisque c'est
un grand vecteur d'inclusivité, justement. Je crois qu'on parlait plutôt de ne laisser personne sur le bord de la route. Par exemple, au niveau de la Commission, on travaille actuellement sur un programme pour accompagner les jeunes qui sont ni en formation, qui sont en échec scolaire, ouais, et qui sont aussi, pour certains, en ruralité, qui ne connaissent pas les programmes. Et donc, ça s'appelle ALMA, pour essayer de les amener, de leur proposer des stages à l'étranger, dans d'autres États membres, pour vraiment avoir cette ouverture, peut-être ce déclic. Ouais. Et en tout cas, pour, de l'ouverture naît beaucoup d'idées, de contacts qui vont leur permettre de développer un projet professionnel. Donc voilà, une jeunesse diverse qu'on doit entendre et à laquelle on doit apporter des réponses différentes et qui se travaille vraiment dans la durée, puisqu'on doit préparer l'évolution, peut-être qu'on ne connaît pas dans 5 ou 10 ans. Mais il est indispensable aussi, et ça a été évoqué à plusieurs reprises hier, de bien communiquer sur tous ces dispositifs ou toutes ces idées qui émergent, ou même des dispositifs qui sont mis en place, qui existent et que tout le monde ne connaît pas. D'où le rôle, effectivement, un job des élus sur le terrain, de dire attention, il y a ça, attention à ça. C'est énorme. Alors, oui, bien sûr. Pour répondre à Valérie, parce que, par exemple, moi, j'ai découvert qu'à Tonnerre, c'est une petite ville dans l'Yonne, typiquement ce qu'on aurait pu dire avant en déprise. Voilà. Et dans l'Yonne, il y a un monsieur qui a créé une école qui s'appelle Créasup Digital. Donc, parce que toutes les écoles pour le digital, le numérique, etc., c'est à Paris, ça coûte très cher. Et là, il a dit, lui, il voulait faire ça quand il était jeune et il n'avait pas assez d'argent pour se payer cette école. Et quand il est devenu plus vieux, il a dit, je vais aller dans les endroits où il y a des grands espaces. Où est-ce qu'il y a des grands espaces? Ouais. Hein, les grands espaces dans la grande ruralie, eh bien, c'est chez nous. Et alors, il a été voir le maire de Tonnerre qui lui a dit, j'ai un vieux Lidl là qui est désaffecté, je vais te le refaire. Donc, il a créé son école. La première année, il y a eu 50 étudiants. La deuxième année, il y a eu 100 étudiants. Ça fait déjà 150 dans une petite ville de 2000, 3000 habitants. Hein. Donc, vous imaginez les cafés, les machins, les trucs, les appartements, la nourriture. Et puis, comme il y avait un hôpital où la moitié était un peu désaffectée, ils ont fait une cantine, ils ont fait un restaurant pour partager les deux. Vous voyez, ce qui, je pense, qui compte énormément, c'est les gens qui font, c'est les femmes et les hommes qui font, quoi, et qui ont vraiment de la passion à faire des choses. Alors, Paco, une question à une des compagnes de table ronde. C'est à votre tour. Et à qui? Faire question à Yolande. Et, je voulais faire une réflexion en avant et après la question. Hein. Je crois qu'il faut qu'on soit capable de gérer, d'agir une grande alliance avec les milieux de la culture. Je crois qu'on a besoin de faire arriver un discours nouveau dans les grandes villes, mais surtout dans la société en général. C'est un discours qui doit être bien aligné avec la culture, parce qu'il doit faire passer les valeurs qu'il y a dans les milieux ruraux. Pourtant, ça, c'est difficile à le faire uniquement avec les marketing administratifs, on dirait. Il nous faut la culture. Et alors, je crois que là, on a un travail à faire pour séduire, pour travailler ensemble avec les cinémas, avec la littérature, pour faire découvrir cet nouveau discours autour de la ruralité et pour faire aussi plus aimable les entours qu'on trouve dans la ruralité, et surtout plus aimable aussi pour les femmes, parce qu'on en a parlé, et c'est un défi très important d'avoir des entours, des villages qui sont plus aimables pour les femmes, plus aimables pour les jeunes, et qui soient capables aussi de faire une chose qui n'est pas simple. On en a parlé, mais c'est une question qui, au fond, c'est une question politique. C'est sur ça que je voulais faire la question. C'est de dire, beaucoup de fois, les milieux ruraux, c'est incompris. On voit qu'il y a une résistance au changement, même qu'on a des tendances politiques qui sont dans les milieux ruraux, qu'on les voit, et qu'il y a, un décontentement, une situation on est fâché parce qu'on comprend pas les politiques de l'Union européenne, on comprend pas la bureaucratie, on comprend pas les limitations. C'est-à-dire, comment on doit réagir à ça?
c'est-à-dire comment on est capable d'harmoniser les milieux ruraux avec sa diversité, avec ses traditions, avec ses manières à faire, avec les valeurs de nouvelles politiques, d'une ouverture à l'Europe, au monde, etc. Et des fois, ce n'est pas simple. Et c'est pour ça que je demande à Yolande comme élue. À Yolène. Yolène, peut-être un peu Valérie aussi. Je vais rester à Valérie. Voilà aussi, si vous voulez. Une question difficile. Qui va ? C'était une perche de parler de marketing administratif. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, Paco. Mais effectivement, on dit souvent que pour convaincre, il faut parler un peu, les Anglais diraient « speak to the gut feelings ». Et c'est peut-être ça le sens aussi des choses qui attachent. Je vois le logo de la présidence française. Alors évidemment, j'ai parlé tout à l'heure de puissance, mais ouais. Je vais parler d'appartenance maintenant. Puisqu'effectivement, avec les territoires, on est dans une dimension d'appartenance qui est physique, je dirais presque, mais qui est émotionnelle, de senteur, de danse, puisque hier soir, c'était la danse et la musique. Apparemment, oui. Donc voilà, de type de choses qui, je pense, peuvent véhiculer des valeurs qui sont peut-être plus propices à créer du lien, de l'envie et donc de la volonté de s'investir, puisqu'on parlait d'être conquérant, de s'investir. Et donc, les moyens administratifs et financiers viennent en soutien, mais pour créer cette appartenance, cette envie de rester dans des zones qu'on essaie de rendre attractives dans la durée, doit être créée par d'autres moyens, qu'ils soient culturels, de liens sociaux, différents. Ça, je pense qu'effectivement, c'est une dimension qui est importante et qui va passer par les acteurs, mais qui va passer aussi par d'autres, puisqu'on revient au programme Creative Europe. On est sur la culture, ouais. Et la culture qui peut être utilisée aussi dans les territoires. Il n'y a pas que les fonds agricoles, je vous rappelle à nouveau là-dessus. Bien sûr. Yolène, il y a la culture après, dans tous les sens du terme. Hein, voilà. Tout le monde a envie de répondre à la question. Donc, Yolène. Oui, pour répondre, parce que je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Paco sur le campus rural, je pense que l'éducation et la formation, c'est clé. Et d'avoir des choses de haut niveau, vraiment de viser le plus haut niveau dans les campus ruraux, c'est très important. Et de pouvoir offrir aux jeunes qui habitent à la campagne des choses hybrides, c'est-à-dire un peu de temps en ville, un peu de temps à la campagne. Et par exemple, il y a toute une frange de sciences que l'on pourrait mettre vraiment en chantier. C'est par exemple tout ce qui est bio-inspiration, biomimétisme, ouais. Les solutions basées sur la nature. Elle est chez nous, la nature. Donc, observons-la et faisons des solutions basées sur la nature. Moi, j'ai un parc national qui vient d'être créé, le parc des forêts. Bon, tout le monde adore les arbres, tout le monde adore les forêts. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, là aussi, par exemple, et pour ça, il faut aller voir les facultés, il faut aller voir les universités et de dire, viens dans ma ruralie et on va faire des programmes de formation ensemble. Tu vas voir, ça va être génial. Les jeunes vont adorer. Et de faire des laboratoires à ciel ouvert. C'est quand même sympa comme programme. Et pas de il faut vraiment viser très haut, je pense. Et par exemple, je sais que la MRF, l'Association des maires ruraux, j'en ai discuté l'autre jour avec eux, ils font un programme de Sciences Po pour, exprès pour les maires ruraux. Parce que c'est vrai que c'est particulier d'être un maire rural. Mais ce n'est pas une petite formation sur deux jours, c'est un programme sur un an pour les maires ruraux, pour d'accord. Vraiment apprendre un nouveau métier de maire, enfin pas un métier, mais une nouvelle fonction de maire, qui n'est plus le maire d'avant qui faisait sa salle des fêtes, qui est vraiment le maire vraiment visionnaire, stratégique dans la ruralité, même s'il n'a que 400 habitants, il a des hectares à s'occuper. Hein. D'accord. Ulrika, quelque chose à ajouter ? Avant de passer à l'étape suivante. Yes, very short. We have heard some good examples here. And I think yes, good examples, if we could share them. If we could, je pense qu'il est important de pouvoir partager ces bons exemples, partager nos expériences sur l'attractivité des zones rurales. Et j'ai deux exemples à vous donner. Nous avons vu les possibilités que représente l'éducation numérique. Et grâce à cela, on se rend compte qu'en fait, on peut vivre partout en Europe et d'avoir accès à l'enseignement.
Je pense qu'on devrait aussi promouvoir le rôle des jeunes filles et les encourager à se lancer dans l'entrepreneuriat, à lancer des entreprises. Et pour ce faire, il faut les soutenir, soutenir leur entrepreneuriat à l'école davantage que ce que nous faisons actuellement. Et ce, dans chaque ville, parce que nous avons la possibilité de développer nos systèmes d'enseignement au niveau local. Je pense que c'est un élément très important et nous en avons vu les résultats en Suède. Aujourd'hui, nous constatons que bien davantage de femmes lancent des petites et moyennes entreprises parce que nous les avons soutenues pour qu'elles acquièrent les compétences nécessaires à cela. Encore un exercice. Avant de passer à l'étape suivante, des questions de la salle. On s'était entendu, je vous avais demandé à chacune et chacun d'imaginer votre, ce que j'ai appelé, message des messages. Si vous n'aviez qu'une chose à dire eh bien, à celles et ceux qui sont en face de vous ce matin, par rapport à toute la discussion qu'on vient d'avoir, une chose à faire retenir qui vous semble la plus importante, ça serait quoi cette chose-là? Alors, Paco, on va commencer par vous. Pas de chance. On a dit beaucoup de choses. C'est vrai que enfin, c'est difficile à en choisir une, mais je voudrais peut-être dire dans l'esprit qu'on a eu dans tout ce dialogue qu'on vient d'avoir, peut-être que dans les milieux ruraux, il nous faut des politiques publiques qui soient très solides. C'est-à-dire, on ne peut pas croire que dans les milieux ruraux, c'est uniquement les marchés, la compétitivité qui va résoudre tous les problèmes. Et par contre, il faut partir sur des politiques publiques qui soient bien solides avec les politiques européennes, les politiques des États, les politiques des régions, et surtout l'engagement des communes et des villages pour qu'il y ait des projets et qu'ils puissent profiter ces politiques publiques pour réagir et pour avoir des scénarios de futur qui donnent de l'espoir aux citoyens et citoyennes qui habitent dans ces lieux, parce que finalement, on parle du défi démographique, mais surtout c'est un défi démocratique. Il faut avoir des démocraties qui permettent de nous habiter là où on veut habiter et que pourtant il n'y ait pas une discrimination territoriale pour les citoyens et citoyennes. Merci beaucoup. Ulrika, rapidement, votre message des messages avant de passer aux questions de la salle. C'est compliqué, mais je dirais. Thousands of flowers flourishing and support that we should support the diversity. Nous devons vraiment soutenir la diversité que nous avons en Europe. Et nous devons le faire ensemble. Abandonnons les barrières qui nous séparent et soutenons la diversité. Soutenons la diversité. Merci beaucoup, Valérie. L'exercice délicat. Pour ajouter une pièce au puzzle dessiné par Paco avec les politiques, je dirais qu'on a parlé surtout de femmes et d'hommes aujourd'hui, d'innovation, de volonté, d'engagement, de créativité et de territoire vivant. Et pour moi, c'est des valeurs européennes qu'on retrouve dans la solidarité, dans l'unité, qui sont, on le sait aujourd'hui, primordiales. Merci beaucoup. Et pour finir ces messages, Yolène. Moi, je dis tout pareil. Tout pareil en mieux. Bien sûr, collaboration, coopération, ouais. Parce que c'est comme ça, bon, on revient à la diversité du début, que c'est clé. Et que, nous, on est en France, on revient, il y a le retour de l'État dans les territoires. Parce qu'on s'est aperçu que la Startup Nation et le tout numérique, eh ben, à un moment donné, ça ne va plus et ça ne crée pas de l'engagement, ça ne crée pas la démocratie. Et je pense que la question démocratique, de la consultation des gens, de l'engagement des gens, est vraiment clé pour qu'on ait vraiment des démocraties vivantes et pas des gens qui mettent des gilets jaunes un jour parce qu'ils croient que personne ne les comprend. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir avec ferveur les quatre participants à cette table ronde. Moi, déjà, je vous remercie beaucoup pour cette belle participation. Et puis, on va passer la parole au public. Quelques questions. On se donne 5-10 minutes. Je ne sais pas si Alexis est dans le coin, qu'il me dise si, en termes de timing, ça va bien. Alors, il y a pas mal de questions. Quelqu'un qui passe un micro ?
Il y a quelqu'un qui passe un micro. Hop, hop, c'est bon, c'est parti. Alexis, c'est bon pour les questions ? Vous vous présentez en même temps, si vous voulez bien. Qui vous êtes, d'où vous venez ? Et puis la question, à qui, aux quatre ? Buenos días, soy Pedro Fernández de la Red Andaluza de Desarrollo Rural. Somos la mayor red regional de développement rural. Je appartiens au groupe du réseau rural. Ma question va pour Paco. Question pour Paco, une chance. Tout en sachant les fonctionnements de LIDER depuis il y a plus de 20 ans, j'ai vu ce que nous avons été, ce que nous sommes maintenant. Est-ce que vous croyez qu'il y a la possibilité de gestion des projets pour les entrepreneurs? Que cela peut être facilité et que nous n'avions pas les difficultés liées aux normatives, à la bureaucratie de la normative européenne, au moins en Andalousie, quand la normative parlementaire simplifiée arrive en Europe, de nouvelles réglementations stratégiques, etc., etc., quand la communauté autonome doit appliquer sa propre normative de subvention de la part des autorités administratives. Les fournisseurs demandent autre part parce qu'ils se sont démoralisés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger cette situation. Alors, corriger la situation des entrepreneurs qui ont des initiatives, notamment dans les zones rurales. Paco. Gracias, Pedro. La verdad es que me encantaría tener esa varita mágica. Comparto contigo la preocupación. Nous devons réfléchir tous ensemble à ce sujet. La Commission européenne devra le faire aussi. L'État devrait le faire aussi. Et ainsi les communautés autonomes, parce qu'il est vrai que certains des problèmes que nous avons dans notre territoire sont liés étroitement à un excès de normatives très garantistes, qui fait que plusieurs fois l'entrepreneuriat soit presque impossible. Nous le savons parce que nous avons des études qui vérifie qu'un entrepreneur dédie pratiquement 50% de son temps à résoudre des problèmes administratifs et d'autres types de problèmes et d'obstacles. Je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas facile toujours, mais je crois que c'est la grande bataille que nous devons affronter pour faciliter précisément cet entrepreneuriat en milieu rural, qui peut être une carrière d'obstacles et qui amène à certains entrepreneurs à la frustration parce qu'ils ne sont pas capables dans tous les cas de confronter ces barrières. Merci, merci à vous. Une autre question, oui, il y a pas mal de questions. Oui, bonjour, Hélène Moreau du Comité européen des régions. J'ai une question à Valérie Drézé-Houmez. Donc, le commissaire Wojciechowski a dit ce matin que les stratégies ne devaient pas rester que des mots, mais devaient être mises en application. Et il a notamment mentionné la stratégie à long terme en faveur des zones rurales. Donc, moi, je suis arrivée depuis hier ici. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec plusieurs GAL français qui n'ont pas franchement l'impression que cette stratégie à long terme sur les zones rurales a vraiment été prise en compte dans le plan stratégique PAC et qu'il n'y a pas vraiment eu un effort particulier qui a été fait dans ces plans stratégiques en faveur du développement rural et notamment des programmes LEADER qui sont un peu phares. Alors, je voulais savoir comment la Commission, elle comptait rectifier le tir dans le processus en cours d'évaluation de ces plans stratégiques nationaux, puisque je crois que la Commission, elle doit rendre des lettres d'évaluation fin mars, notamment sur le plan stratégique français. Donc, comment comptez-vous rectifier le tir? Merci. Valérie. Alors, déjà, c'est bien que la vision à long terme, l'agenda rural, le pacte rural soit connu. Des fois, j'entends des messages différents aussi, donc je note quand même cet aspect positif. Après, l'intégration, effectivement, au niveau national, on a parlé de cette congruence à réaliser qui n'est pas toujours simple. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a ce processus de soumission des plans stratégiques nationaux et une évaluation. Alors, l'évaluation, on va porter sur cet aspect comme sur d'autres. Et effectivement, les
les corrections et les mises en adéquation qui devront être faites seront discutées avec l'État membre qui porte le projet. C'est sûr qu'on a beaucoup parlé d'inclusion, de discussion à différents niveaux et de remontée dans les deux sens ou peut-être même plus. Et c'est important, mais ce n'est pas à nous, commission, de prescrire la façon administrative et le débat national, bien entendu, hein, ça dépend de l'État membre, mais il y a cette étape effectivement d'évaluation qui permettra de rectifier le tir, quels que soient les objectifs importants qui ne seraient pas couverts de manière adéquate. Une nouvelle question, allez-y, il y en a quelques-unes. Au milieu, madame. Bonjour, je m'appelle Séverine Julan, je suis directrice Europe au Conseil régional de Guadeloupe, donc en charge de l'autorité de gestion donc de plusieurs programmes européens. La Guadeloupe est une région à 80% rurale, avec une grosse problématique qui est celle d'une population vieillissante, avec une grande migration des jeunes qui partent vers l'extérieur, vers des régions plus attractives. Et donc l'attractivité pour la jeunesse pour nous est très importante. Et je voudrais savoir, donc l'idée des campus ruraux dont a parlé Paco, cette idée a beaucoup m'a accroché en fait, et j'aimerais savoir comment vous les avez financés. Est-ce que ce sont des campus qui ont été financés par des programmes européens ou par des programmes nationaux? Et comment est-ce que ces campus se sont développés et comment est-ce qu'ils ont été accueillis par les jeunes populations rurales? Alors, les campus ruraux, Paco. Merci pour la question. J'aime bien de vous expliquer. Ce projet, c'est un projet tout nouveau. On espère aussi que la Commission européenne peut-être va nous dire qui est disposé à aider, même à faire grandir ces programmes pour tout le pays européen. En tout cas, pour le moment, ça c'est un programme qui est financé pour la Secrétaire générale du Reto Demográfico. C'est nous qui soutiennent cet effort pour tenir les étudiants qui vont rester entre 3 et 5 mois dans les territoires ruraux. Et alors, ce qu'on a fait, c'est une organisation enfin, un peu complexe avec 36 universités. Et puis, on engage aux mairies pour garantir l'habitage et puis enfin les conditions pour les étudiants pendant ces temps-là, non? C'est-à-dire que on va voir cette première année quels sont les résultats, mais sans doute on va bien partager avec vous les résultats et voir si ça c'est exportable, même si il va arriver les jours qu'on pourra faire un Erasmus rural pour faire que des étudiants soient côté français, soit espagnol, soit portugais, ils puissent faire aussi ces stages dans des lieux ruraux et pourtant d'enrichir cette culture autour de notre ruralité. Merci. Il y a encore 2-3 questions. Une question ici, allez-y. On prendra peut-être encore 2 questions après. Est-ce qu'on peut demander à Alexis si 2 questions, c'est bon? Letty, voir jusqu'à quelle heure on peut se donner avant de passer à l'étape suivante. Voilà, oui, votre oui. Question. Bonjour. Oui, bonjour. Nicolas de Fautz, autorité de gestion, Wallonie-Belgique. Qu'on vous a entendu hier, avec plaisir. C'est pour Madame Valérie. Dans le nouveau règlement, la notion de coopération, je pense, ne figure plus pour le moment. Or, nous sommes à une période où tout le monde dit les États européens doivent être ensemble. Le problème en Ukraine ou le problème dans d'autres pays, c'est parfois des problèmes de compréhension. La coopération qui figurait n'était pas obligatoire, mais stimuler l'égal a quand même mené de la coopération malgré les défis des langues, malgré etc. Mais ça nous amenait dans les projets qui ont été menés à se comprendre et parfois à éviter certaines situations comme ce que nous vivons pour le moment. Est-ce que la Commission a prévu quelque chose ou alors c'est complètement oublié? Parce que ce qui va arriver, c'est que beaucoup de Galles, par facilité, se replieront sur les projets de coopération intra-Galles dans les États membres, dans chacun des États membres. Et alors, où sera l'Union européenne? Parce que l'Union est quand même fondée sur les échanges et sur les bonnes pratiques que l'on peut avoir d'un État à l'autre pour consolider les relations entre les différents États. Merci. Valérie.
Au-delà de la réglementation, je pense qu'il y a deux dimensions différentes. C'est de faciliter les projets en ne mettant pas une liste de conditions, pléthorique, qui est donc une volonté de facilitation. Maintenant, le principe de collaboration, de coopération, d'échange dont on a parlé depuis ce matin, sans doute hier aussi, et presque une façon d'agir ou une façon de vivre européenne, hein, comme vous le dites. Et donc, on n'a pas besoin pour ça d'avoir un règlement qui soit prescriptif au niveau des conditions d'admissibilité. Je veux dire, c'est la façon de travailler, la façon de développer le projet et de manière concrète, la plupart des projets, je le disais précédemment, beaucoup de problématiques sont transversales. Donc, sectoriser et éviter de la collaboration, ça devient un petit peu compliqué dans la pratique. Donc, je pense qu'il faut garder juste en tête d'amoindrir le nombre de critères, une volonté de facilitation et de voir la collaboration comme, de toute façon, faisant partie de l'ADN du projet, des projets de manière générale au niveau européen et d'autres. Merci. Une dernière question. Là-bas, au fond, on prendra en deux dernières questions, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis du réseau informel leader de Finlande. On se souvient. Oui, donc là, je reviens un peu à la question qu'avait Madame Moreau du comité des régions. On a beaucoup parlé des diverses ruralités. On avait parlé des circuits courts. Là, ma question, c'est maintenant, où est-ce que vous voyez les courts-circuits? Donc, si vous les voyez, comment feriez-vous pour que le courant passe, pour qu'il y ait un changement, que ce ne soit pas une PAC purement rurale, agricole dans la suite? Voilà, merci. Oui, vous pouvez juste, parce que j'étais en train de regarder, est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Je suis désolé. Et à qui elle s'adresse plus particulièrement? La question s'adresse à tous, si vous voulez donc. Mais plus particulièrement? Peut-être à la commission, commission surtout. Donc, pour assurer qu'il y ait des diversités rurales, que ce soit respecté et que ce ne soit pas une PAC purement, surtout agricole dans la suite. Ouais. Je vais faire un petit jeu de mots avec les circuits courts et les courts-circuits. Donc, juste pour savoir où est-ce que vous voyez peut-être des blocages pour assurer le renouvellement des diverses ruralités. La dimension des circuits courts, sans doute ce que vous évoquiez tout à l'heure, Yolène, je pense, c'est ça. Et la complémentarité des circuits courts selon les régions, est-ce que c'est ça le sens de la question? Je suis désolé. J'espère que les panélistes ont compris. Pardon? Yes, I can try to... Oui, je peux essayer de vous répondre. Alors, c'est une question complexe. Parce qu'avec la libre circulation des marchandises et des personnes, avec le transport des marchandises à travers l'Europe, nous nous rendons compte que nous devons adopter des modèles plus écologiques. Nous devons changer les modèles de chaîne d'approvisionnement. Et nous avons quelques bons exemples en Suède où l'on voit des communes qui achètent en gros des marchandises venant de partout dans le monde. Mais nous avons également des chaînes de distribution qui permettent à la population d'acheter des produits plus locaux. C'est une façon de travailler parmi tant d'autres. Je pense qu'on ne peut pas tout changer non plus. Nous devons surtout, je pense, nous concentrer sur les transports de nos marchandises. Et nous devons davantage acheter auprès des producteurs locaux, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Merci à vous. Je vous propose de conclure de manière peut-être un tout petit peu rapide cette table ronde. Je voulais tous les quatre vous remercier. Vous avez une question? La dernière question, on peut emporter un micro. On passera à l'étape suivante ensuite,
Juste une dernière question, je suis désolé. Ça sera vraiment la dernière. Vous pourrez aller poser vos questions tout à l'heure pendant le déjeuner. Il n'y a pas de souci. Monsieur, on vous écoute. Merci. Daniel Kayarek, délégué général du Conseil de développement du pays COP. Ce n'est pas ici, mais c'est juste à côté. Oui. Donc, j'étais ravi d'entendre les intervenants parler de la jeunesse, entre autres, et notamment de la réponse que l'on peut apporter à leurs besoins, le fait de les entendre, le fait important aussi de retenir sur nos territoires les jeunes issus du territoire et formés et bien formés, la capacité aussi de faire venir des jeunes d'ailleurs, mais encore bien plus important, comment leader peut accorder une place à ces jeunes dans nos territoires ruraux, notamment dans les décisions, dans la chaîne des décisions. Quelle est la place des jeunes ? La place des jeunes, on en a parlé tout à l'heure. Valérie, vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure ? Les unes les autres, on a évoqué éventuellement des solutions justement pour attirer les jeunes. Un petit mot pour conclure cette table ronde. Par rapport à votre question et ce que je disais précédemment, vous posez la question plus, je dirais, pour ce côté de la salle. Comment, ouais, dans votre gouvernance, vous pouvez donner une place aux jeunes beaucoup plus grande. Je pense qu'on a beaucoup parlé ce matin de l'importance d'avoir la diversité des points de vue, des angles de vue, et ça, dans les modes de gouvernance que vous avez au niveau de la concrétisation des projets, de portage des projets, c'est là que cette réflexion doit se faire en priorité. Précédemment, je parlais de la attractivité, des moyens qu'on peut donner vers certains programmes au niveau de la présence des jeunes. Après, comment les intégrer dans les projets et faire qu'ils soient au sein de leaders et acteurs de leaders, je dirais la réponse est plutôt entre vous. Très bien. Oui, vous voulez ajouter un dernier mot ? Ulrika, un dernier mot. Oui, je pense que sur ce point, si l'on veut attirer les jeunes, il faut aussi parler de démocratie. Nous avons besoin de jeunes dans le domaine de la politique, au niveau local notamment. Il faut qu'ils soient impliqués dans les processus de prise de décision. Mais nous devons les inviter à participer à ce processus, à participer aux décisions des communautés, des communes locales, à impliquer merci beaucoup, davantage de merci, jeunes je crois dans qu'on les peut décisions applaudir nos quatre comparses de table ronde. Juste vous remercier à nouveau parce que, comme je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui, ça avait été un véritable plaisir de préparer cette table ronde avec vous. Je vous remercie très sincèrement de cette participation active. Je vous souhaite une bonne suite. On va passer à la suite du programme. Merci, merci beaucoup à vous. Merci, on peut les applaudir. Et la suite du programme de cette matinée, c'est, comme on l'a fait hier, ce qu'on a appelé une petite page de pub, entre guillemets. Alors, vous avez eu des plants de pommes de terre dans vos sacs d'accueil hier. En tous les cas, ça a été largement distribué. Et eh bien, il y a actuellement en réflexion un centre de ressources européen à Pleuc-l'Hermitage, centre de ressources, effectivement, vous avez raison, monsieur le ministre, sur la patate. Et pour en parler, c'est Pascal Allot et Margot Vizdeloup. Pascal et Margot, passez par là-bas, hop, les escaliers. On est un peu en retard, désolé, sur le programme. Pascal, bienvenue. Margot, tout pareil. Hop, voilà. Super. Margot, bonjour. Bonjour. Alors, juste quelques mots sur ce centre de ressources. Pascal, juste rappeler que vous êtes coprésident de l'association La Belle du Lier, c'est ça ? Et vous êtes notamment chargé du suivi du projet. Ça marche. Ne touchez pas les boutons. Le suivi du projet pour la pomme de terre, un centre de ressources européen. Et puis, Margot, vous êtes justement chargée du développement de ce projet ici
à Pleuc-l'Hermitage. Bon, il y a un peu de bruit, on s'y fait à la longue. Il y a des gens très bavards, c'est un vrai bonheur. Mais en tous les cas, je crois que chacun évoque déjà tous les plants de pommes de terre qu'il a trouvés dans son sac. Alors, c'est quoi, pourquoi, tout à coup, un centre de ressources, justement, européen, dédié à la pomme de terre? Bonjour à tous. Alors, je vous laisse répondre l'un l'autre. Vous vous passez la balle, n'hésitez pas. Alors, bonjour à tous. Donc, pourquoi un centre de ressources à Pleuc-l'Hermitage? Eh bien, parce qu'en fait, beaucoup de lieux valorisent la pomme de terre en France et en Europe grâce à des musées ou des conservatoires. Et on s'est dit qu'il serait important de la valoriser de manière multithématique, que ce soit pour le grand public ou pour les professionnels de la filière. Alors, pourquoi justement à Pleuc? Quelles raisons font que ce centre se positionnerait ici, sur cette commune qui a accueilli un super séminaire? Oui, tout à fait. Alors, une des raisons, c'est qu'on sait faire autour de la pomme de terre. En fait, ça fait 20 ans qu'on a construit une fête, qu'on a redonné une dynamique autour de la pomme de terre, qu'on a aussi travaillé avec nos amis de Roumanie et de Pologne, hein, grâce à, déjà au circuit européen là, et au circuit leader. Et donc je dirais que c'est la continuité, c'est-à-dire qu'on ne peut bâtir un centre de ressources tel que celui que l'on veut bâtir que si on a construit des fondations, si on est capable de générer de vraies idées autour de la pomme de terre. D'accord. Alors justement, ces vraies idées autour de la pomme de terre, qu'est-ce que c'est? Comment, autour de quoi il pourrait, de quelle thématique ce centre pourrait s'organiser? Alors, en fait, on pourrait travailler sur différentes thématiques, comme la thématique agronomie. Donc, par l'accès à des formations ou à des séminaires spécialisés autour de la pomme de terre, que ce soit sur le plan ou la consommation. Il pourrait y avoir aussi le volet économique qui valoriserait forcément le territoire. On a le volet culturel avec différentes collections qui sont en cours de donation à la commune. Et puis, le volet culturel, grâce à la porte d'entrée grand public, qui offrirait un musée en fait, autour de la pomme de terre. Donc, voilà. Après, il y a la dimension européenne, évidemment, avec un travail de réseau et une valorisation européenne dans un lieu unique. C'est en fait la mise en réseau des différentes filières. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à parler de la pomme de terre de Pleuc. Hein. On l'ouvre beaucoup plus que ça. Et c'est simplement notre savoir-faire qui nous permet justement cet ancrage-là. Mais c'est la mise en réseau des différentes filières, qu'elles soient consommation, bio, les différentes variétés, etc. Ouais. Et toute l'histoire, toute la culture autour de la pomme de terre aussi. Complètement. Et on n'oublie pas non plus l'économie, hein, puisqu'on a avec nous des partenaires qui nous suivent et qui sont complètement dans l'économie de la pomme de terre, soit la transformation, soit la commercialisation. Et sans cet angle-là, ça ne fonctionnerait pas non plus. On ne veut pas faire à la place des autres, on veut être en complémentarité et on veut parler de façon très, très, très dynamique de la pomme de terre, qui est quand même un des premiers produits qui nourrit les hommes. Effectivement. Alors, l'autre jour, vous me disiez que vous avez organisé une première réunion de préfiguration de ce que pourrait être ce centre de ressources. Vous avez allègrement et très largement invité pas mal de monde. Qui est-ce qui était présent? Qui est-ce qui a envie de s'investir ici, à vos côtés, pour justement donner de la vie et construire ce centre de ressources? Alors, qui y va? Effectivement, on a organisé une réunion de préfiguration début février et donc on a eu la chance d'avoir parmi nous le comité national de la production de pommes de terre. On a eu aussi la Fédération nationale des producteurs de plants. On avait aussi des élus nationaux et européens. Des coopératives. D'accord. Voilà. Et on a aussi eu en visio nos amis de Pologne hein, qui sont aussi intéressés. Je crois qu'il faut que l'on mette en réseau, hein, c'est le vrai sens, hein, tous les acteurs autour de la pomme de terre. Et en fait, aujourd'hui, il n'existe pas de lieu comme celui-là, ni en France, ni en Europe. Il existe d'autres lieux ailleurs sur une thématique liée à la pomme de terre. Qu'est-ce qui existe ailleurs, malgré tout? Un tel centre n'existe pas. Mais en revanche, est-ce qu'il y a des musées? Est-ce qu'il y a... Alors, je reprends parce que des musées, il en existe. Ouais. Différentes initiatives, il en existe. Ouais.
Mais ce que l'on veut surtout pas faire, c'est un musée. Ouais. Voilà, ça, c'est quelque chose qui a une certaine dynamique et qui nous permet de, bah, j'irais d'intéresser pourquoi pas des séminaires de travail qui nous permettent, parce qu'on y trouvera tout autour de la pomme de terre à Pluck. Mais ensuite, on est capable de bâtir un projet complémentaire pour aller visiter la côte, parce que on aura aussi là des accroches. Et voilà, c'est plutôt cela quoi qui existe. Mais aujourd'hui, des centres de ce type-là, alors je crois qu'il y a sur certaines plantes médicinales ou un truc comme ça. D'accord. Mais il en existe peu. Alors moi, j'en connais un petit peu autour de la viande pour la valorisation. J'en connais aussi autour des produits laitiers pour la valorisation des différents produits laitiers. Mais je pense qu'on veut encore aller un petit peu plus loin sur un produit qui est peut-être un peu moins noble, mais qui aujourd'hui a une sacrée image, quoi. D'accord. Alors, comment on va être informé de l'avenir ou de l'évolution, en tous les cas, de ce centre de ressources? C'est quoi le calendrier? Et puis, quand est-ce qu'on va avoir un peu d'informations? Comment on va pouvoir suivre la progression de ce projet? Donc, déjà, la base de tout, hein, on construit, nous, là, on a eu les idées. On a mis en réseau déjà un certain nombre d'acteurs qui sont intéressés par poursuivre. On ne veut pas bâtir quelque chose qui ne soit pas pérenne. Donc, on a besoin d'avoir une étude très complète qui permet de définir vraiment ce centre de ressources européen pour ne pas construire n'importe quoi. Et donc ça, ça va être dans les semaines qui viennent, hein. Et puis, je pense que le timing, là, ça y est, il est donné, il est parti. C'est cette étude qui va donner le là. Ouais. Et puis, je pense qu'on aura certainement un premier rendu très intéressant lors de la prochaine fête de la pomme de terre qui aura lieu le 9, 10 et 11 septembre 2022. Alors, pour conclure cette petite page d'information sur ce futur centre de ressources européen dédié à la pomme de terre, un message de vous, Pascal, et un message donc à celles et ceux qui sont en face de nous. Alors, moi, j'ai écouté ce matin, là, on a parlé beaucoup de ruralité, et moi, je suis fier d'être dans une petite commune qui est capable de monter un projet tel que celui que l'on est en train de monter, un centre de ressources européen autour de la pomme de terre. Et je pense qu'on a toute cette légitimité pour le faire parce qu'on a le savoir-faire autour de la pomme de terre et on est capable de le faire parce qu'on est capable de fédérer justement toutes les initiatives et non pas de les opposer. Et donc, je crois que c'est pour moi le plus grand intérêt. Petite commune qui est capable de se bouger. Super, merci. Margot, un dernier mot? Eh ben, le projet se veut co-construit avec l'ensemble des membres de la filière pomme de terre pour avoir une ampleur européenne et vraiment une visibilité dans un lieu unique en fait, qui redonne l'image de la pomme de terre, l'image qu'elle mérite à la pomme de terre. Super, merci beaucoup à vous deux. Je crois qu'on peut applaudir et à la fois l'initiative et à la fois les témoins. Alors, j'ai demandé à la technique de venir en aide. On va passer à l'étape suivante, et pour passer à l'étape suivante, on va faire un tout petit déménagement en direct devant vos yeux, parce que l'étape suivante, eh bien, c'est le prix européen leader pour l'égalité femmes-hommes. Donc, on déménage en direct, ne nous en veuillez pas, on est à vous dans 2 minutes. Bien voilà, c'était du déménagement en direct. Merci à vous de votre compréhension. Et puis, je vais demander
à Valérie Drézé-Humève de me rejoindre ici, à Ulrika Landergren, que vous connaissez déjà, de me rejoindre aussi, Christine Ringrovallet, qui nous a rejoint, je l'ai aperçu tout à l'heure, de monter sur scène. Joël Giraud, monsieur le ministre de la cohésion des territoires. On va s'installer, une fille, un garçon, une fille, je fais le plan de table en direct. On vous applaudit. Francesc, Paco, vous nous rejoignez pour la remise des prix. Monsieur le ministre au centre, c'est parfait. Et puis Thibaut Guignard, qui ne doit pas être très loin et qui fait partie de la remise des prix. C'est bon ? Tout le monde est là. Donc, c'est quoi ce prix ? J'attends que tout le monde soit installé. Tout va bien ? Top, top. Alors, Ulrika n'est pas là. Comme elle dit, Soruk, oui, effectivement. On attend Ulrika avec impatience. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher Ulrika ? J'imagine que quelqu'un est parti chercher. Donc, à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, ce mardi 8 mars 2022, nos camarades en ont parlé tout à l'heure allègrement. Leader France a organisé, en collaboration avec le réseau européen des programmes Leader et LAR, une cérémonie de remise des prix Leader européens pour l'égalité hommes-femmes. Cette remise de prix, peut-être que Thibaut, tu veux en dire quelques mots de ce prix. Cette remise de prix, en fait, elle vise à récompenser des projets français et européens qui favorisent et encouragent l'égalité femmes-hommes en milieu rural. Un petit mot ? Vous avez tout dit, monsieur l'animateur. J'ai tout dit. Bon, vous voulez rien rajouter ? Très bien. Le concours, il était ouvert à tous les groupes d'action locales européens. Il a mis en avant des réalisations concrètes financées par le programme Leader 2014-2020 pour promouvoir, merci Ulrika de nous avoir rejoint, pour promouvoir l'égalité femmes-hommes au sein des territoires ruraux. Six lauréats vont vous présenter leurs réalisations. Je crois qu'il y a une présentation en vidéo, les autres se font en direct. Vous êtes le jury, mais vous aussi, vous êtes le jury parce que tout à l'heure, eh bien, nous vous expliquerons comment, c'est Alexis d'ailleurs qui le fera pour que les choses soient le plus claires possible, comment voter avec vos téléphones portables. On va découvrir ensemble les six projets, d'accord, qui vont nous être présentés. Je vous demanderai aux unes, aux uns et aux autres éventuellement de commenter ou de donner votre avis, sans donner bien sûr le sens de votre vote, sur le projet qui va vous être présenté. Le premier projet, donc j'appelle les personnes qui effectivement sont là pour présenter le projet animation et production artistique autour de l'égalité des sexes en milieu rural sur le temps périscolaire. Alors, c'est une vidéo. Ah ben c'est la première qui est une vidéo. Désolé. Donc, la vidéo, on va lancer la vidéo. Je suis désolé. Bonjour. Je suis l'animateur du programme européen Leader sur le Velay en Haute-Loire. Je vais vous présenter l'un des projets soutenus lors de la programmation 2015-2022 qui concourt à l'obtention du prix Leader pour l'égalité femmes-hommes en milieu rural. Il s'agit du projet Mettons en scène l'égalité à la frontière entre animation périscolaire et production artistique, porté par le Centre d'information du droit des femmes et des familles de Haute-Loire, en partenariat avec l'ancienne communauté de communes des Portes d'Auvergne et le groupe d'action locale du Velay. Pour commencer, nous tenons à remercier l'association Leader France pour avoir présélectionné notre dossier qui nous permet de mettre un peu de lumière sur notre territoire rural. Le pays du Velay compte 102 communes, 3 intercommunalités depuis 2017 et 100 000 habitants environ. Ce territoire rural d'Auvergne-Rhône-Alpes s'articule autour du bassin de vie du Puy-en-Velay. Pour vous mettre dans l'ambiance, voici quelques prises de vue présentant notre territoire, vivant et dynamique.
Le programme Leader Velay 2015-2022 s'intitule « Promouvoir les synergies locales velaves ». L'objectif est de participer à une plus forte mise en réseau des acteurs locaux. Grâce à près de 7 millions d'euros de fonds européens à mobiliser, le GAL du Velay a pu soutenir plus de 300 projets privés et publics à travers diverses thématiques de développement rural. La stratégie locale de développement s'articule autour de 6 fiches actions. Le projet présenté aujourd'hui s'inscrit dans la fiche action numéro 3, qui permet de fédérer les habitants autour de marqueurs identitaires communs. Le projet « Mettons en scène l'égalité » s'est déroulé en 2016 auprès de 4 écoles des Portes d'Auvergne et avait pour ambition de travailler la thématique de l'égalité à travers un projet artistique de territoire. Cette animation culturelle a permis de renforcer l'inclusion sociale et de déconstruire les stéréotypes liés au genre. Cette action est d'autant plus décisive en milieu rural, où les filles ont tendance à calquer leurs ambitions professionnelles sur ces stéréotypes. Ce projet, modeste par son ampleur, a permis de sensibiliser enfants et adultes à ces problématiques et de renforcer les liens sociaux au sein de notre territoire du Velay. Donnons maintenant la parole à Christine Tiva, ancienne maire de Lissac, ancienne présidente de la commission intercommunale du droit des femmes au sein de la communauté de communes des Portes d'Auvergne et initiatrice du projet. Bonjour, j'ai été maire entre 2008 et 2020 au sein de la communauté de communes des Portes d'Auvergne dans la commune de Lissac. Dans cette communauté de communes, nous avions créé une grande majorité de femmes et quelques hommes aussi, une commission en faveur de l'égalité hommes-femmes. Nous montions des projets qui visaient à élargir le champ des possibles pour les femmes. Parmi les projets montés, il y en avait un qui s'adressait aux écoles primaires, qui était dirigé vers les AVS et qui ciblait un double objectif. Une réflexion de ces dames sur leur propre pratique scolaire, comment elles réagissaient devant un événement face aux filles, face aux garçons, quelles différences et comment et pourquoi et comment essayer d'égaliser un peu tout ça. Et une animation auprès des enfants pour les faire réfléchir eux aussi à qu'est-ce que font les filles, qu'est-ce que font les garçons et pourquoi et comment on peut faire en sorte que les garçons peuvent aussi faire des choses de filles et inversement. Ce projet a été une très, très belle réussite en termes de réalisation parce que les dames qui ont participé au projet ont énormément aimé cette réflexion et ça a beaucoup enrichi leur pratique, ça les a permis d'évoluer dans leur profession. Ça a été une réussite pour les enfants qui se sont beaucoup amusés à monter des projets, soit des grands panneaux visuels, des pièces de théâtre, un petit film, différentes choses de ce type-là qu'ils ont ensuite présentées à tous les parents d'élèves lors des fêtes de fin d'année à l'école. Et ce projet a été une réussite aussi pour les élus parce qu'entraîner des élus essentiellement masculins vers des projets égalité hommes-femmes, ce n'est pas une chose facile parce qu'à départ, ça ne les intéresse pas. Et au vu des réalisations qu'on a faites, pour un montant quand même financier très modeste, ben, ils se sont rendus compte que finalement, c'était du gagnant-gagnant pour tout le monde, puisque les enfants étaient contents, les AVS étaient motivés dans leur travail, et les parents étaient ravis de voir que les enfants pouvaient réfléchir. Merci de votre attention et longue vie au programme Leader. Voilà, donc je vous propose d'applaudir. Le premier projet qui, là, vous a été présenté. Une petite remarque, Christine Aurin. Alors, une remarque, si par l'éducation qu'on gagnera aussi le combat égalité femmes-hommes, je trouve que j'entendais Thibault qui disait « Oh, les clichés » sur la question de gagner la bataille avec les hommes. Mais je crois effectivement qu'il y a de plus en plus d'hommes, notamment des jeunes hommes et des jeunes élus qui aujourd'hui se saisissent de ces questions-là. Et ce qui est intéressant, là, je trouve, c'est de pouvoir donner les clés de la formation sur les éducateurs parce que l'on soit femme ou que l'on soit homme,
on peut véhiculer des problématiques de genre. Et je pense qu'on a tous besoin de se former. Ça, c'est essentiel. Voilà ce que j'en retire. Et un monsieur AVS aurait aussi tout à gagner de cette formation. Voilà ce que j'avais envie un peu de dire. Merci, pardon, donner quelques informations. Je suis absolument désolé pour le vote. Et effectivement, Alexis me précisait qu'il va faire circuler le fameux QR code qui vous sera utile tout à l'heure pour voter et retenir. Vous n'avez pas vos téléphones portables ou vous avez vos téléphones portables pour voter. Alors, le deuxième projet, j'attends la liste parce que pour tout vous avouer, depuis ce matin, tout est un peu en désordre, et y compris la présentation, le sens de présentation. Le numéro 2, parce que c'est important pour tout à l'heure, pas du tout, ce n'est pas complètement le bordel, monsieur le ministre, mais ce qui est important de savoir, c'est que les numéros des projets ont de l'importance tout à l'heure pour le vote. Et donc, le deuxième, c'est un projet autrichien, d'accord ? Un projet autrichien, la problématique, les femmes habitant en milieu rural peinent à avoir accès aux études supérieures ou aux formations. Problèmes de mobilité, gestion de la famille, ce qui diminue leur employabilité. Donc, eh bien, c'est Bildungsoffensive. Je crois que, monsieur le ministre, vous parlez particulièrement bien l'allemand. Donc, voilà, pour présenter le projet, je vous invite à nous rejoindre. Vous pouvez passer plutôt, passer par les petits coins, mais vous pouvez passer par ici. On va y arriver. Prenez un micro. Guten Morgen, oui. Guten Morgen. Bildung Offensive. Ah, ça, c'est pour faire avancer votre présentation. Oh, perfect. Pardon. Yes, hello. Bonjour à tous. My name is Stefan. I'm from Austria. Je m'appelle Stefan, je viens d'Autriche et je suis porteur de projet là-bas. Alors, tout d'abord, je voudrais dire qu'il est très difficile de porter sa candidature lors d'un concours lorsque à quelques centaines de kilomètres, des personnes fuient pour se sauver, pour sauver leur vie. Et donc, je pense qu'ils en ont. Nous allons dédier nos fonds, car ils en ont besoin davantage que nous. Nous allons donner notre prix à ceux qui ont notre projet, c'est un projet d'éducation. C'est une réussite qui nous connaissons déjà depuis longtemps. Ce projet a commencé en 2003. What is special? Why and when we did this project? Quand et pourquoi avons-nous lancé ce projet? Nous avons lancé ce programme d'éducation. Okay, it's not a, it should not be a usual education program. It should be really fit to the needs of the women. Nous ne voulions pas qu'il soit traditionnel, mais qu'il soit réellement, qu'il réponde réellement aux besoins spécifiques des femmes. Donc les horaires étaient assez variés. Beaucoup de formations avaient lieu au matin. Parce que les femmes avaient plus de temps à nous consacrer avant midi plutôt qu'après midi, parce qu'après elles devaient prendre soin de leur mari, de leurs enfants. Les sujets traités étaient variés. Nous parlions, Computer skills, par exemple, language skills, but also health skills. So these are different topics, and there was a different venue. It was not just like a classroom. The courses, they are in the leader office, so they get in touch with research and development, or they are in community buildings. Se sont tenus dans so les this salles is what is different between a regular course program, education program, and our women-based education program. De formation plus traditionnelle. Il était vraiment axé sur les femmes. Alors, quels sont les résultats jusqu'à présent? Chaque année, près de 200 femmes participent à ce programme. Donc, ça signifie que plus de 2000 femmes y ont participé au cours des dernières années. Les contenus de nos programmes sont extrêmement flexibles. Les cours sont de « How to welcome newcomers » to gymnastics for your eyes, différents de comment accueillir les nouveaux venus à la gym des yeux, comment se lancer avec Microsoft Office à coder et impression 3D. Donc c'est un éventail très varié de formations.
Un programme qui a été une véritable réussite s'intitulait Casser les noix et récolter les fruits. Il a été mis en œuvre dans toute la province et il organisait un séminaire de formation pour les femmes qui souhaitaient se présenter comme candidates à leur politique locale. Et c'était une véritable réussite. Alors, comme je l'ai déjà dit, je vois que la présentation a été un peu modifiée. Il y a un petit problème d'affichage, mais néanmoins, je peux vous dire que c'est un programme d'éducation simple développé pour un large réseau de femmes dans la région. Par exemple, nous avons organisé des repair cafés, donc des cafés de réparation. Nous avons organisé des réseaux de volontaires. Nous avons créé également des Computeria, donc c'est-à-dire chaque lundi matin, les femmes enseignent à d'autres femmes comment utiliser leur téléphone pour l'utiliser tous les jours. Les participants apprécient que leur programme soit accessible proche de chez elles. C'est toujours organisé dans les villages, pas dans la ville. Les contenus sont très flexibles. Nous sommes très flexibles. Nous entretenons une relation très personnelle avec les participantes. Et nous avons 65% des coûts sont financés par Leader. Alors voilà, ici vous voyez des photos de certaines femmes qui ont participé au programme. Ici, vous avez donc la dernière diapositive de notre présentation qui, en gros, vous explique pourquoi nous devrions remporter le prix. Eh bien, c'est parce que nous rendons les femmes autonomes grâce à une éducation locale, flexible et à la demande. Ce programme a mobilisé plus de 2000 femmes jusqu'à présent. Ce projet est géré, organisé, financé et exécuté par le groupe d'action locale. Et bien évidemment, cela crée un important surplus sur le marché du travail local. Thank you very much. Ça réduit la fuite des savoirs. Merci. Une petite question, monsieur le ministre. Une question. Can you wait? Une question à ce qui vient de nous être présenté. Pas une question, mais une remarque enthousiaste, parce que la question de l'éducation des femmes, notamment en milieu rural, en milieu montagnard, est quelque chose de fondamental. Et j'aime beaucoup l'approche qui vient de nous être présentée. J'avoue qu'au sommet des villes et des régions, l'autre jour à Marseille, nous avions des discussions là-dessus et j'ai très peu apprécié la façon dont on expliquait que les femmes devaient être plus présentes au sens de pouvoir faire des enfants sur un territoire. Je préfère cette approche-là, qui est une approche qui est beaucoup plus valorisante, et je voulais emporter témoignage. Donc, herzlichen Glückwunsch. On a eu l'occasion effectivement de l'évoquer. Ulrika, vous pourriez le dire lors de la table ronde tout à l'heure, ce que vous venez d'affirmer. Merci beaucoup, merci à vous. Alors on va passer au... Bravo, oui, on l'applaudit. Alors ça, c'était le projet numéro 2. Je refais le projet numéro 3. Je veux bien la liste des projets pour être sûr tout à l'heure de ne pas me tromper dans l'ordre des projets. Je suis... Désolé, je fais ça en direct, mais ce n'est pas gênant. Vous allez découvrir la liste des projets pour la présentation du troisième projet. Comment ? Hop, 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 voilà. Hop. Désolé. On va y arriver. Le troisième projet, c'est Documentation and Validation of One Goal. Alors, qui est le représentant de cette... C'est la Suède. La Suède, le porteur du projet, c'est Linda Turner. Linda Turner est-elle dans la salle qui vient nous présenter ce projet? Je vous raconte la problématique du projet. Les femmes habitant en milieu rural peinent davantage à accéder à l'emploi. Cela est d'autant plus vrai pour les femmes habitant ces milieux-là et issues de l'immigration. Donc, c'est le projet numéro 3. Le projet numéro 3. Et bienvenue. Bienvenue à vous. Voilà. Bonjour. Je vais aller chercher un autre micro pour
vous donner la parole à toutes les deux. Bien, je vous laisse la parole. On applaudit effectivement Linda Turner. Linda Turner et Yanné Bench. Parfait. On vous écoute. On vous écoute avec attention. I would like you all to count how many migrants that you have. Je voudrais que vous comptiez chacun le nombre de migrants que vous connaissez. Alors, la question à cette réponse explique aussi pourquoi les taux d'emploi sont très faibles parmi les migrants. Les migrants n'ont pas besoin de votre argent, mais ils ont besoin de votre temps et de votre cœur. La ségrégation résidentielle auxquelles font face les migrants lorsqu'ils arrivent dans un nouveau pays leur rend la tâche difficile pour apprendre la langue et la culture. Les immigrants ne parviennent pas à s'intégrer à la société d'accueil. Nous, qui vivons ici, nous devons nous rendre compte que nous sommes une partie intégrante, essentielle de leur intégration. Et malheureusement, il n'y a pas assez de lieux de rencontre pour que nous puissions nous faire connaissance. Je voudrais que vous fassiez la connaissance de Ansam. Elle a 44 ans, elle vient d'Irak, elle est arrivée en Suède en 2014 à cause de la guerre, et elle n'avait jamais travaillé et... Elle avait été 6 ans à l'école. Je voudrais aussi vous présenter Afra. Elle vient de Syrie. Elle a étudié 4 ans. Elle a 2 enfants. Elle a obtenu un diplôme de bachelier en langue arabique. Elle est arrivée en Suède en 2015 aussi. Et elle n'avait presque pas d'expérience professionnelle. Et ces deux femmes ici, ainsi que les 500 autres femmes, viennent de notre ville. Je m'appelle Linda et j'ai lancé le projet WOW il y a 9 ans pour organiser un lieu de rencontre pour des femmes qui autrement ne se seraient jamais rencontrées. Les femmes qui participent à ce projet m'ont dit dès le premier jour qu'elles voulaient des amies suédoises et qu'elles voulaient un emploi. Et c'est notre mission à WOW d'atteindre cet objectif. Nous avons 55% de migrantes et le reste sont des femmes locales qui participent à ce projet. Et nous nous rendons compte que nous avons énormément à apprendre l'une de l'autre, que nous avons une énergie énorme. Et nous le rencontrons chaque mois pendant 2 heures. Nous nous rendons compte également que nous avons un objectif. Nous voulons aider les femmes à trouver un emploi. Alors, je m'appelle Tianne et je participe au projet WOW depuis le premier jour, depuis son inception. Dès le début, j'ai constaté que des femmes de toutes les catégories pouvaient se rejoindre au sein de WOW. Tout d'abord par curiosité, et ensuite elles restaient au sein de WOW parce qu'elles se rendaient compte que leur participation faisait la différence. Pendant 7 ans, j'ai aidé ces femmes et leurs familles à se lancer dans leur emploi. Et après avoir réussi plus de 30 fois avec plus de 30 femmes, je me suis rendu compte qu'en fait ce n'était pas que de la chance, la méthode que j'utilisais fonctionnait bien. Et à cette époque, j'ai rencontré Marion, qui est membre de Leader, et elle a vu un potentiel dans mon projet, et nous avons décidé de nous fixer des objectifs, de créer un manuel One Goal, de tester ce manuel, de le numériser et ensuite d'en tester la version numérique. Et les résultats ont été exceptionnels. Grâce à notre manuel et notre approche personnelle, nous sommes assurés que 80% des femmes qui participaient au processus ont trouvé un emploi. Alors, tout d'abord, seule Linda était capable de le faire, mais je me suis rendu compte que moi aussi, si j'étais capable de le faire. Et c'était le cas aussi des autres femmes qui participaient à ce programme. C'est incroyable ce sentiment d'avoir aidé quelqu'un. Et je pense que nous avions envie de réussir dès le début de notre projet. Et nous avons eu 41 premiers jours, 41 photos des premiers jours de ces femmes qui ont commencé à travailler. À gauche, vous voyez une dame qui a commencé à travailler pour un traiteur. Et Afra, à droite, travaille dans une chaîne de production. Elle est une opératrice de robots.
Il y a beaucoup de problèmes que rencontrent les femmes et nous avons résolu ces problèmes et nous avons différentes fonctions représentées à travers les femmes qui ont participé à ce travail, des assistantes sociales, des conductrices de camions, etc., etc. Nous savons à quel point notre programme fait la différence pour les femmes. Cela leur donne confiance en elles. Et le fait est que, avec 100 One Goal, 100 notre approche, ces femmes seraient toujours au chômage. Mais au lieu de ça, maintenant, elles ont la capacité d'être indépendantes et de subvenir aux besoins de leurs enfants. Notre projet a créé plus d'un million d'euros chaque année dans notre ville en termes de bénéfices sociétaux. Le mélange des migrantes et des locales et les faire travailler ensemble a permis cette approche par les femmes pour les femmes dans des grandes villes. One Goal veut intégrer les femmes dans nos sociétés. C'est au cœur, c'est là que résident les cœurs de nos sociétés. C'est lorsque des gens sont considérés comme des êtres humains et non pas comme un nombre sur une feuille de papier. Nous sommes rendus compte que nous pouvions commencer à nous apprécier, que nous pouvions partager les responsabilités, que nous pouvions commencer à construire notre avenir ensemble. En tant qu'Européennes, actuellement, nous faisons face à la plus grande vague de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Et cette crise nous a unis et nous rappelle les valeurs et les idéaux que nous partageons tous à travers l'Union européenne. Et nous, chacun d'entre nous, Afra, Ansan, Kori, Ilelma, Yanni, tout ensemble, les 500 participantes de WOW et de notre ville sont prêtes à accueillir tous les Ukrainiens, toutes les femmes, tous les enfants ukrainiens qui atteindront notre région du monde. Merci, leader de croire en nous, et merci à vous pour votre soutien. Maybe Ulrika, une petite intervention suite à cette présentation, si vous en avez envie. Je sais que tout ça est particulièrement cher à votre cœur, d'avoir ces dimensions-là sur les territoires ruraux. Vous avez envie de nous ajouter un petit mot, on vous passe le micro. Merci pour cette présentation parfaite. C'est un de mes sujets de prédilection en tant que commissionnaire. Comment pouvons-nous faire en sorte que les gens apprennent la langue et qu'ils reçoivent un travail? Tous les pays européens se sont posés cette question. Combien de temps ça prendra pour une personne dans une situation marginale pour pouvoir gagner son propre argent? Et nous pensons que ça prend entre 9 et 11 ans pour une personne qui arrive sur le territoire de mon pays avant que cette personne arrive à gagner son propre argent. Nous devons donner des vraies clés à ces personnes-là afin de faciliter cet apprentissage et accès au travail. Bonne chance pour l'avenir parce que nous en avons vraiment besoin de plus de projets de ce genre. Le quatrième projet est un projet porté par l'Espagne. Il s'intitule Concilia, et c'est Concilia effectivement qui vient nous le présenter. Elle est là. La problématique du projet, il existe encore aujourd'hui des inégalités liées au genre. Elles sont d'autant plus marquées dans les territoires ruraux. À vous de nous présenter ce projet. On attend la petite présentation PowerPoint qui devrait arriver. Voilà. Letty, ouais, c'est votre présentation.
On y va, vous y allez. On vous apporte la petite zapette qui est partie en coulisses, décidément. Hop là, je vous laisse faire. Voilà, bonne présentation, merci. Bon, quelques applaudissements d'encouragement après cette petite interruption. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pilar Machin, nous venons de l'Espagne. Concrètement, je viens d'une communauté qui s'appelle Los Monegros et nous allons vous présenter notre projet interterritorial. Concilia. Dans les dernières années, nous avons essayé de revendiquer le rôle protagoniste des femmes dans le développement du milieu rural. Nous revendiquons nos droits en tant que travailleurs, notre droit à l'égalité des chances, à la formation, à l'accès aux ressources, au pouvoir et à la prise des décisions. Nous nous sommes confrontés à une double difficulté pour être des femmes et vivre en milieu rural. Notre objectif avec ce projet, et nous devons toujours avoir un objectif, a été d'autonomiser les femmes rurales en augmentant les possibilités de croissance et de durabilité sociale et démographique. Nous avons travaillé avec des associations des femmes entrepreneurs, des femmes en risque d'exclusion, des lycéennes et les étudiants des écoles publiques ainsi que des grands publics. Pour que vous vous fassiez une idée, je vais vous expliquer quelques actions dont nous avons travaillé et qui peut mieux le représenter. Nous avons créé une plateforme parce qu'à part l'agriculture, nous avons de l'art et de la culture. Nous avons un réseau appelé MAR, réseau des femmes artistes et artisanes. Il y a 200 participants dans ces projets, des femmes qui ont créé des liens et qui travaillent encore pour atteindre ces objectifs. Une autre des actions, précisément aujourd'hui, 8 mars, les femmes sont réunies parce que nous avons la remise du prix Gavardera, qui représente une orchide qui grandit à la communauté de Los Monegros. Et en hiver, même le froid de, malgré le froid de l'hiver, ces plantes fleurissent. Et c'est le nombre de la gabardera, c'est le nombre de la fleur qui représente ce prix. Nous travaillons sur la co-responsabilité et la conciliation à travers des actions transversales. Nous donnons la voix des femmes avec la création, par exemple, du point violet. Donc, il y a 90 bibliothèques qui participent. Il y a de la livraison des livres écrits ou dirigés à des femmes. Il y a des points d'échange et ces femmes ont construit tout un réseau de bibliothèques partout en Espagne. Senderos por la igualdad. Senderos por la igualdad, queremos visibilizar a las mujeres, que también las hay, aunque nunca se les haya reconocido, que han luchado por el medio ambiente y la igualdad. Sostenibilidad. C'est une initiative visant à reconnaître des femmes qui ont lutté pour l'égalité des genres et pour la préservation de l'environnement. El nombre de mujer. Trabajamos también. Con institutos y colegios, nous travaillons con avec des établissements edad, d'éducation. C'est un âge, nous savons, très compliqué et les adolescents sont difficiles à accès parfois parce qu'ils déconnaissent tous les 5 minutes. Ce que nous avons fait, c'est les rap pour l'égalité. Et nous avons essayé de connecter avec eux à travers la musique. Ils ont créé la chanson et il y a eu une étude de production qui est arrivée au centre éducatif pour réaliser les chansons dont le thème est l'égalité de genre. Otra de las acciones, y ya voy terminando.
La dernière des actions que j'ai mentionnées, c'est Tissons de l'égalité. Nous offrons de la formation aux femmes qui ont été victimes de la violence de genre, tout avec nos services sociaux, et nous le faisons pour que ces femmes apportent de l'assistance à d'autres femmes qui ont besoin d'assistance. Nous croyons que c'est cette sororité que ces femmes victimes de la violence des genres ont reçue leur donne la capacité pour donner l'assistance à d'autres femmes qui ont besoin d'aide. Estos son algunos de los resultados. Ce sont les résultats, une partie des résultats. Vous voyez de la variété. Nous avons travaillé avec plusieurs associations centres éducatifs. Nous avons travaillé avec des associations des femmes. Et ce sont un petit peu les résultats. Par rapport à notre avenir, comme nous voyons notre avenir, nous devons continuer à investir dans les politiques d'autonomisation des femmes dans les mondes ruraux. Pour que la graine prenne racine, il faut une pluie fine. Et nous disons qu'à Concilia, nous sommes cette pluie fine qui peu à peu fait qu'il y a beaucoup de reconnaissance. Et tel a été l'horizon du projet Concilia. À l'avenir, dans le monde rural, même si c'est comme celui de Monegro que vous pouvez voir à l'écran, tous les jours, nos gavarderas luttent pour l'égalité des genres. Nous voulons que ces femmes soient comme la fleur qui fleurit toujours malgré le mauvais temps. Merci. Merci beaucoup. Paco, un petit mot sur ce projet espagnol, avec plaisir de vous entendre à nouveau. Pues muchísimas gracias por este proyecto y yo creo que también por ese ejemplo de la orquídea que me parece fantástico. Cet exemple de l'orchide que j'ai trouvé fantastique, qui représente ces territoires arides, mais donc il y a une fleur qui surgit toujours. C'est lié au travail des femmes au milieu rural, ces travails résilients, capables d'articuler les communautés, même si ce sont des petites communautés. Je veux revendiquer, nous l'avons fait déjà, mais je veux le revendiquer à nouveau, le fait que le monde rural avait soin avec urgence des femmes. Nous devons générer des entourages accueillants pour que les femmes se sentent accueillies. Nous devons mettre fin à des pratiques terribles, effroyantes, comme la violence des genres. Je trouve que ce projet est extraordinaire. Nous avons vu d'autres projets aussi destinés, dirigés aux femmes, aussi les femmes migrantes. Donc, toutes mes félicitations pour vous, parce que je trouve que ce projet est magnifique. Merci. Félicitations, merci beaucoup. Merci à vous. Le cinquième projet est un projet hongrois. Pour le présenter, le projet hongrois, je demande à Isvane Maxi d'être là. Et là, voilà, on va lui laisser la parole immédiatement. Depuis les années 90, les perspectives d'emploi dans les ruralités hongroises ont fortement diminué, surtout pour les femmes. Et je vous laisse la parole à toutes les deux. Voilà, je vais vous chercher un micro. Ça ira, c'est bon. Hi, my name is Adrienne Demeter. Bonjour, je m'appelle Adrienne Demeter. Alors, Trich est un petit village qui se trouve près du parc national d'Aktadak. Alors, les hommes très souvent travaillent et les femmes restent à la maison et participent à la vie de la famille et aux tâches ménagères. C'est un modèle familial assez typique, assez traditionnel en Hongrie,
Donc, l'homme travaille et la femme reste à la maison. Les programmes d'emploi public sont organisés par les gouvernements locaux et soutenus par le ministère des Affaires intérieures. Nous avons besoin de solutions aux problèmes que nous avons déjà mentionnés. En tant que femmes, nous sommes impliquées dans différents programmes. Les femmes doivent d'abord choisir des programmes, et parfois ce n'est pas facile. Et c'est la raison pour laquelle un programme agricole a été lancé. Des cultures ont été plantées et les femmes participent à la récolte dans les champs. C'est du travail très difficile pour les femmes. Les produits, le sirop et la confiture produits étaient utilisés dans les recettes traditionnelles locales. Et le programme d'emploi public a pris fin, étant donné le succès de ces produits très populaires, et une société a été créée à la fin de l'année 2015. Les premiers membres de l'association que nous avons créée étaient des habitantes de la région, des femmes d'Autriche, des personnes les aidaient professionnellement dans leur travail. Le programme d'emploi public est une bonne chose, je crois, dans la vie d'un village et pour les individus, pour les habitants de ce village. Nous pouvons en tirer profit dans de nombreux domaines. Tout le monde peut venir travailler. Nous pouvons organiser des programmes pour nos fêtes nationales. Et enfin, bien sûr, nous pouvons développer les infrastructures existantes. Notre équipe est très active, très efficace, et elle est toujours là pour présenter les produits locaux et coopérer avec les différentes organisations de la région. L'Université de Miskolc, le parc national d'Aktalak font partie de ce programme. Voilà, ici vous voyez une photo de femme, de la femme typique d'Autriche. Vous les voyez produire des sirops et de la confiture. En 2018, une fabrique de confiture a été ouverte. Donc, vous voyez ici les photos des confitures produites. Ah, et nous avons rénové, on va dire révisé le packaging de nos confitures. Voici ici des stands de vente de confitures à Triche. Donc vous voyez ici, les pots de confiture ont changé de forme. Merci. Voilà. Merci à vous, Valérie. Valérie, on ne vous a pas encore entendu sur les projets. Un petit mot sur celui-ci. Merci. Un petit mot. Je noterai seulement le point de départ, sortir les femmes d'une tradition qui était, je pense, bien établie de les maintenir à la maison, comme vous le disiez, et surtout vers cet aboutissement, après ce premier pied à l'étrier, vers l'entrepreneuriat. Parce que je pense que cette autonomisation des femmes, non pas seulement dans des travaux de salariat et autres, et l'entrepreneuriat et la volonté d'entourer, est une dimension qui me paraît très importante. Donc j'espère juste qu'elles vont continuer sur cette lancée et surtout essaimer autour d'elles dans d'autres villes pour casser ce modèle traditionnel. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Merci à vous. Le sixième projet, c'est un projet qui nous vient de Mayotte.
c'est l'écomusée du sel et les Mamas Shingos de Brandrelele, pardon. Alors, je ne sais pas qui est là pour présenter ce projet. Voilà. C'est celles qui viennent, le rappelle le président de Leader, de plus loin. Donc, on peut allègrement les acclamer pour les remercier de leur présence à nos côtés aujourd'hui. Et eh bien, nous allons être ravis d'écouter la présentation de ce projet. Je vous laisse la petite zapette. Merci à vous d'être là, un micro. Et je vous laisse la parole. Vous voulez un autre micro ? Si, si. Pop, pop. Merci. Et voilà. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, je suis Mouhoumina Sheikh Ahmed. Je suis vice-présidente de la communauté de communes du sud de Mayotte, le sud perle de Mayotte. Donc, l'une des perles que nous avons sur notre territoire, ce sont ces Mamas Shingos qui produisent le sel, le shingo en chimaoré de Mayotte, qui a de nombreuses vertus pharmaceutiques, mieux supporté par les hypertendus et qui a d'autres vertus. Voilà, je laisse ma collègue faire la présentation. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Clara Bosnet, je suis coordinatrice du programme Leader à l'AG, donc qui est la DAF chez nous à Mayotte. Et donc aujourd'hui, je vais vous raconter comment à Mayotte, des tout petits grains de sel permettent à des femmes de s'émanciper financièrement et de mettre en avant un savoir-faire qui avait quasiment disparu. Donc, tout commence au début des années 2000, dans le sud de l'île, quand un écomusée du sel voit le jour, que vous voyez à gauche, sur un des plus gros lieux de production de ce fameux sel maoré. Donc en fait, sa construction a permis à des femmes de se structurer autour de ce lieu pour acquérir du matériel, pour produire en plus grand nombre et pour pouvoir générer des revenus de cette production. Avant cet écomusée, ce qu'il faut savoir, c'est aussi un écomusée qui sert de boutique, donc de point de vente des produits que vous voyez là. En fait, les femmes produisaient du sel chacune de leur côté pour leur famille et leurs proches, mais sans en dégager de revenus. Ça s'explique aussi par le fait que le sel pouvait être à l'époque un produit difficile à trouver dans le commerce à Mayotte. Dans cette présentation, je ne vais pas rentrer dans les détails de la production que vous voyez à droite, qui est complètement manuelle, hein, du coup. Je pourrais vous donner des vidéos de comment c'est fait, les étapes, etc. Si ça vous intéresse, ce sera avec plaisir. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui de cette présentation dans le cadre de Sprit, c'est que le travail de la terre pour obtenir le sel est uniquement géré par les femmes et que la technique est transmise de mère en fille uniquement. Mais pour comprendre pourquoi ce sont des femmes qui génèrent pourquoi ce sont des femmes qui gèrent entièrement ce travail difficile, il faut que je vous explique un peu le contexte maoré d'abord. Du coup, déjà, où c'est ? Mayotte, c'est dans l'océan Indien, c'est dans le canal du Mozambique, ça fait partie de l'archipel des Comores. C'est anciennement une colonie française qui a obtenu sa départementalisation il y a seulement 10 ans. 95% de la population est musulmane à Mayotte. Et c'est une société matrilinéaire, c'est-à-dire que les femmes héritent du nom de famille de leur mère, de ses terres et de son patrimoine. Et ça passe pas par le père. Et c'est aussi une société matrilocale, c'est-à-dire que c'est à l'homme d'aller vivre chez sa femme et non pas l'inverse. Il y a d'ailleurs une expression maoraise courante qui dit que l'homme n'est que le locataire chez son épouse. Cette organisation de la société a pour conséquence que la femme doit assurer toutes les tâches liées au foyer, même agricoles, et que l'homme est moins impliqué. Il y a aussi le rôle de la polygamie qui n'est plus reconnue, mais toujours largement pratiquée dans les faits, qui amplifie ce phénomène où l'homme est plus absent à la maison. Donc, ce que je veux vraiment transmettre ici, c'est qu'à Mayotte, la question d'égalité homme-femme, ce n'est pas exactement la même que celle qu'on peut voir en Europe ou en France métropolitaine. Ce qui marche mieux, entre guillemets, c'est que certains métiers sont moins liés à un genre. Je vais revenir, par exemple, sur le domaine agricole, où on a autant de femmes que d'hommes dans le domaine de l'agriculture.
Je pense à quelque chose là. Je regardais les chiffres du dernier recensement agricole à Mayotte et on a autant de chefs d'exploitation femmes que hommes. Et en fait, c'est quelque chose qui est complètement normal à Mayotte. Par contre, le revers de la médaille, c'est que dans les faits, la femme fait tout dans la société, mais de manière silencieuse. C'est pas parce qu'elle est le pilier du foyer, la propriétaire, comme je le disais, qu'elle est présente dans les sphères décisionnelles à part égale que l'homme, loin de là. Mais revenons à notre écomusée et à notre projet LEADER. Donc, comme je le disais, les femmes se sont rassemblées au sein de l'association des Mama Shingos, donc les mères du sel, en 1998 pour tenter de professionnaliser leur activité, en tirer un revenu et aussi pour conserver ce savoir-faire hérité d'ethnie venant de l'actuel Mozambique autour du fleuve Limpopo, donc, que vous pouvez voir en haut à droite. Cela a par la suite donné naissance à l'écomusée du sel en 2001, construit par la mairie de Bandrélé, toujours en coopération avec l'association des mamas. Le projet a partiellement fonctionné, car nous sommes passés d'une situation où la production du sel ne générait aucun revenu, à une situation où la production a nettement augmenté et a rendu la vente possible. Mais pas au niveau espéré. Elle génère toujours pas assez de revenus pour ces femmes pour pouvoir en vivre pleinement. Elles ont toujours des activités annexes, toutes parmi elles. C'est là qu'intervient le projet LEADER, porté par la mairie de Bandrélé. Donc, il faut savoir aussi que la programmation actuelle de LEADER et du FEADER, c'est la toute première à Mayotte. Donc, c'est vraiment un des projets précurseurs LEADER, celui-là, à Mayotte. L'idée était donc de redonner du dynamisme au projet en donnant un petit coup de neuf à l'écomusée et en ajoutant une dimension touristique pour attirer de nouveaux visiteurs et pour vendre plus. Des panneaux explicatifs des différentes étapes pour arriver au produit fini ont été subventionnés, ainsi que la sécurisation du site avec une clôture, un portail, etc. Donc, où en est-on aujourd'hui ? L'écomusée du sel est ouvert tous les jours pour pouvoir vendre les produits finis. Il y a un petit parcours signalétique pour découvrir le site qui a vu le jour grâce au LEADER et des visites sont proposées pour les adultes, mais aussi pour les groupes scolaires. Pour découvrir donc les différentes étapes de production de ce sel directement sur le site. Bon, on ne va pas se mentir, on n'est toujours pas dans une situation où elles en vivent complètement. La quantité du sel est très variable, de production est très variable d'une année à l'autre. Mais les mamas, le projet continue son chemin. Elles sont en train de réfléchir à créer une coopérative parce que c'est ce qu'elles sont au final. Donc, on espère que ce projet va encore grandir et permettre à ces femmes de pérenniser leur activité et d'en vivre pleinement. De plus, en fait, ce projet nous tient à cœur parce que ça a permis de garder en vie un savoir-faire qui a failli disparaître et qui fait partie intégrale maintenant du patrimoine mahorais. Et enfin, si je peux finir sur un dernier mot sur les femmes mahoraises, plus globalement, au-delà des Mama Shingo, ce que j'ai essayé de montrer ici, c'est qu'elles sont au four et au moulin, si je peux dire, dans la société mahoraise, et que leur influence est déterminante. Pour vous donner un exemple, si aujourd'hui Mayotte, c'est un département français, c'est aussi largement grâce aux manifestations des femmes dans les années 60 qui ont eu lieu. Et pourtant, elles n'ont pas la reconnaissance qu'elles méritent sur la place publique, on va dire, et qu'elles sont toujours beaucoup moins nombreuses aux commandes publiques aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci, merci beaucoup à vous pour cette présentation. Monsieur le ministre, une petite réaction à la présentation de ce projet, si vous l'acceptez. Ah ben, c'est gentil d'offrir des cadeaux aux femmes et pas aux hommes aujourd'hui. Pourtant, l'homme est une femme comme les autres. Si je cuisine, c'est mon seul plaisir. Non, ma réaction, c'est un territoire. Vous savez que, dans mon ministère, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt justement pour l'égalité homme-femme en milieu rural. Et ce type de projet, donc je connais un peu la société à Mayotte, et ce type de projet relève vraiment de ce type d'appel à projet au-delà de ce qui est présenté aujourd'hui. Parce qu'il permet de replacer la femme au cœur de la société, parce qu'elle l'est, elle l'est pas forcément dans ce département français. Elle l'est effectivement sur le plan patrimonial, comme ça a été bien expliqué.
mais elle ne l'est pas sur le plan sociétal en réalité. Et je voulais les féliciter, les mamas, qui, au travers de cette initiative, prennent l'initiative de la transmission, prennent l'initiative de leur place efficace dans la société économique de Mayotte. Et c'est vraiment un très grand bonheur de vous avoir aujourd'hui. Et merci d'être venu malgré l'éloignement qui est quand même patent. Je crois qu'on peut les applaudir effectivement à nouveau pour cette belle présence. Alors, je vais demander, s'affichent là les conditions donc pour le vote en direct. Et pendant que je vais rappeler les projets, je vais demander à Marion Écart. Marion Écart, donc la présidente de Elard, qu'on a entendu hier et qui tout à l'heure fera partie des personnalités qui apporteront leurs conclusions, de me rejoindre parce que Marion, avec vous, mesdames et messieurs du jury, eh bien, présentera tout à l'heure, remettra chacun des prix. Marion, ravi de vous revoir sur scène ce matin. Juste peut-être un petit mot suite à la présentation, avant que je ne rappelle vite fait les différents prix et les différentes présentations qui nous ont été données. Un petit mot sur chacune des présentations et sur l'esprit de ce prix Leader France auquel Elard est associé. Thank you very much. Merci beaucoup. We are today giving out the first International Leader Awards. Nous sommes aujourd'hui là pour donner notre premier prix Leader. Et c'est important de le faire aujourd'hui, le 8 mars. J'ai été très inspirée et impressionnée par les présentations. Il y en a tellement, il y a encore tellement à faire. Les femmes travaillent de façon différente. Hier, il y a eu des présentations durant les tables rondes, quand on parle des technologies et des... On a dit qu'il y a beaucoup d'hommes pour les technologies, il y a beaucoup de femmes pour tout ce qui concerne l'inclusion, par exemple, l'inclusion sociale. Et je pense que nous devons développer nos activités pour donner plus d'opportunités aux femmes, plus de possibilités dans nos sociétés. Je pense que nous avons déjà fait un grand progrès, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Je pense que mon pays est un bon exemple en termes d'égalité entre les hommes et les femmes, mais je pense que voilà, nous Merci. Avons ce focus très Merci important vous, sur Marion. L'égalité Alors, des hommes rappel, et des femmes. Pendant que vous votez, les Alors, je vais numéros juste des projets, les questions revenir. Ces projets. Vous votez un très rapidement, oui. Votez un pour le projet, donc... animation et production artistique autour de l'égalité des sexes en milieu rural. Votez 2 pour le projet autrichien Bildung Offensive. Votez 3 pour documentation et validation of One Goal, le projet suédois. Votez 4 pour le projet espagnol. Votez 5 pour le projet hongrois. Et enfin, celui que nous venons d'entendre, le projet de Mayotte et l'écomusée du sel et les mamas chingos de Bandré Lélé. Merci à vous. On vous laisse encore 2 secondes. Pardon ? Le code PIN de l'iPhone. Oui, il est affiché. Il était affiché, le code PIN. Voilà, il est revenu, le PIN, le 15-68-79. Il était affiché tout à l'heure. Donc, on vous laisse voter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est bon. Tout le monde a voté. Vous avez eu le temps de vous exprimer les unes, les uns et les autres. C'est bon. Alors, actuellement, on est en train de rassembler les votes, de nous mettre dans des petites enveloppes les résultats. Et puis, Marion, je vous propose d'accompagner chacun des duos.
pour remettre le prix. Le troisième prix, c'est Christine Aurin-Grosvalet et Thibaut Guignard qui vont le remettre à vos côtés, Marion, et nous allons savoir dans peu de temps qui est 235 votants, me dit-on. Donc, sur 235 votants, Marion, vous pouvez, Christine, Thibaut, vous vous mettez debout, vous allez pouvoir, ni plus ni moins, nous proclamer le résultat pour le troisième. Allez-y, Marion, et vous remettez. Oui. Yes. Marion, allez, et vous remettez le prix avec Christine et Thibaut. Christine, l'enveloppe, on vous laisse proclamer, mesdames, donc le résultat pour cette troisième prix, qui est le troisième prix, 235 votes, qui a retenu, vous pouvez y aller. Tadadadam, petite musique. Alors, ah, hop. Donc, l'écomusée du sel et les. Alors, bravo, celles qui sont venues viennent chercher leur prix. Donc, c'est la remise d'un des premiers prix de ce prix de l'égalité homme-femme remis par Leader. Merci, parfait, parfait. Montez par ici, ça sera plus simple pour recevoir votre prix. On les applaudit. Un petit mot, Christine, il y a juste un micro ici. Marion s'est dessaisie. Voilà. Je suis ravie de vous remettre ce prix. J'échangeais sur l'île de Mayotte avec monsieur le ministre pendant votre présentation. Et j'ai compris, et après ces propos, que les femmes, même si elles étaient propriétaires, avaient beaucoup à faire pour pouvoir regagner la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, je vous encourage vraiment beaucoup à continuer, parce qu'on voit qu'à partir d'une initiative, d'une pratique ancestrale, vous avez réussi plus ou moins, mais tout peut se parfaire, à monter un modèle économique qui demande encore beaucoup d'efforts, mais qui met en valeur la place essentielle des femmes dans votre développement. Voilà, je suis très heureuse. Merci beaucoup, merci. Thibaut, un petit mot. Alors, oui, un petit mot, parce qu'en fait, ce projet, c'est le seul des six projets que je connais bien, puisque je suis allé le visiter. Je suis allé le visiter à Mayotte. Alors, je ne vous donnerai pas mon vote, mais j'avais une sensibilité particulière pour ce projet, parce que je l'ai vu. C'est vraiment un travail remarquable qui est fait par les femmes. D'ailleurs, je continue à cuisiner, monsieur le ministre, avec le sel de Mayotte. J'en ai plus beaucoup, mais ne m'en donnez pas, j'irai en chercher. Ne vous embêtez pas, j'irai moi-même, c'est une bonne idée. J'irai moi-même le chercher. Et donc, c'est un plaisir à chaque fois que j'ouvre ce petit sac en feuilles de banane de prendre le sel de Mayotte pour cuisiner. Et sur le fond, c'est un très beau projet. Et c'est un projet qui montre aussi qu'avec Leader, on peut faire des actions sociales et de solidarité. Et ça repose la question du multifond, pour revenir un peu à de la technique d'ingénierie financière, à la question du multifond et comment est-ce que les groupes d'action locale peuvent bénéficier non seulement du FEADER, mais aussi du FEDER, le Fonds européen pour le développement régional, mais aussi du FSE, le Fonds social européen, parce qu'on voit bien que les projets qui sont financés par Leader vont bien au-delà du simple FEADER. Et là, on est également sur le champ du FSE. Donc, félicitations, mesdames, et bon retour à ce beau prix sur la magnifique île de Mayotte, la perle de l'océan Indien. Merci beaucoup. On les applaudit avec chaleur. Christine Aurin et Thibaut, merci. Merci à vous. Merci à vous. Alors, pour remettre le deuxième prix, c'est Ulrika. Ulrika, pour remettre le deuxième prix avec Paco et toujours aux côtés de. Ah, ben oui, vous êtes présente sur les trois prix, si vous voulez bien. Et Ulrika, je vais vous donner. L'enveloppe à ouvrir avec Paco. Allez-y. Alors, attention,
roulement de tambour et quel est le résultat, cette deuxième place? Ah. Et alors? Ah, ah, bravo, c'est donc l'Espagne qui a ce deuxième prix. Donc, le deuxième prix nous rejoigne. Voilà, parfait. Ulrika, un petit mot pour ce projet et avant la remise de ce prix. Ça tombe bien, Paco, que vous soyez amené à remettre ce prix. On va vous laisser le remettre. Toutes mes félicitations à vous pour votre travail. Vous mettez les femmes en lumière dans votre région. Vous améliorez leur accès à l'éducation, mais aussi leur bien-être physique et psychologique. Votre travail est excellent et poursuivez sur cette voie. Super, car Paco, nous en avons besoin. Paco? Je suis très heureux de voir que vous avez conseillé cet éxito. Nous sentimos muy de votre succès. Nous sommes fiers des femmes en général, mais spécialement des femmes espagnoles et surtout les femmes présentes dans des territoires si difficiles comme celui des Monegros. Merci beaucoup d'avoir mené ces projets. Continuez comme ça parce que nous allons avoir besoin de vous à l'avenir. Merci, merci beaucoup. Bravo. Voilà, une photo, un petit mot. Merci à vous. Alors, merci Ulrika, merci beaucoup Paco, pour remettre le premier prix, donc de ce premier prix européen leader pour l'égalité homme-femme. Je vais demander à monsieur le ministre, accompagné de Valérie Drézé et toujours de Ulrika, vous êtes parfait. Parfait. Je vous laisse l'enveloppe. Ulrika, je vous laisse. Marion, pourquoi j'ai dit Ulrika? Ulrika s'est déjà mise assise. Marion, pardon. Marion, donc à vos côtés. Bravo. J'ai fait une petite gaffe. Alors? Le vainqueur est la Suède. Alors bravo! Bravo. Ulrika se lève. Marion, Valérie, un petit mot pour ce premier prix du premier prix leader homme-femme. On applaudit allègrement la Suède. Ah voilà. Bien, je vous demande de tous vous rassembler, de vous mettre debout, effectivement, pour acclamer. Je pense qu'on peut se lever pour acclamer ce premier prix. Voilà, bravo, bravo à vous. Parfait. Marion, allez remettre le prix, je vous en prie. Allez-y. Marion, voilà. Voilà, chaleureuses embrassades. Un petit mot des gagnantes, peut-être. Un petit mot des gagnantes. Bravo. One word. Wow, thank you so much. Merci beaucoup. This means a lot to us. We worked pretty ça, hard for the ça last veut dire beaucoup years pour nous. Nous avons travaillé très dur ces dernières années pour pouvoir faire la différence in the south of Sweden pour les femmes and et pour notre ville au sud yeah, de la Suède. Be what we are if we weren't so many et nous ne serions like pas qui nous sommes. Si nous when we did pas this project, we actually had to count how many hours, voluntary projet, hours that we put in, and we couldn't believe because we are 500 people. On a investi dans ce projet pour lequel on n'a pas été payé, et on s'est rendu compte qu'en fait, en un an, on avait travaillé 6000 heures pendant 6000 heures de manière volontaire. En tant que femme, vous savez, on a beaucoup de facilité à retrousser nos manches et à travailler pour faire en sorte que les choses bougent. Et je pense que nous avons une bonne méthode, mais nous pouvons la diffuser partout en Europe. Nous pouvons aider le projet WAB en France, nous pouvons aider le projet Cantilia en Espagne, le Pays-Bas.
Nous faisons en sorte de faire la différence. Bravo, bravo, chacune, bravo à chacun, vous. Chacune. Merci. 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 Alors, peut-être pouvez-vous tous monter sur scène pour qu'on Merci, puisse faire super. Prendre un selfie. Merci beaucoup. Marion, Marion, juste pour clore cette remise de prix, un petit mot pour clore cette première remise du premier prix leader, premier prix européen de l'égalité homme-femme. En même temps que vous prenez la photo, un petit mot, just a word. I'm so happy that we have, Alors, have a je suis winner. Très heureuse the first winner de voir nos premières gagnantes de ce premier prix leader pour l'égalité hommes-femmes. Je pense que votre projet est un très bon projet et c'est ce pourquoi nous travaillons. Nous travaillons pour faire la différence sur le terrain. C'est la raison d'être de leader. Donc, félicitations à vous tous. Félicitations pour le travail excellent que vous faites. Merci beaucoup. Thibault, un petit mot pour ce premier prix. Voilà, c'est maintenant. Voilà. Alors, je vous propose, mesdames, messieurs, de rejoindre la salle. Merci d'avoir accepté cette lourde tâche de remettre ce premier prix. Vous pouvez, Marion, vous pouvez rester là parce que vous serez amené tout à l'heure à conclure. Joël Giraud aussi, merci. Ronan Cadraon, vous pouvez effectivement rejoindre la tribune. Et on va passer au propos avec un peu de retard. Désolé, de conclusion. Thibault. C'est le moment des conclusions. Je vous demanderai encore quelques minutes d'attention. On applaudit. On peut applaudir à nouveau nos collègues suédoises parce qu'elles ont un succès fou. On arrive au moment des conclusions après ces deux jours de séminaire. Donc, je vais être très rapide pour laisser la parole aux personnalités. Hier, nous avons bien travaillé sur les sujets qui sont les nôtres. Sur leader, sur le développement rural dans les politiques européennes. Mesdames, messieurs, un peu d'attention. Ladies and gentlemen, please. S'il vous plaît, please. Si vous voulez avoir à manger Just après, il faut écouter. Ten minutes. Donc, je disais que nous avons bien travaillé hier sur nos sujets de leader, de la place des ruralités dans les politiques européennes. Nous avons travaillé avec les ministères concernés, avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, avec un format inédit pour Leader France, c'est-à-dire 300 personnes au total sur les deux jours, avec 21 États membres représentés. Et puis ce matin, un format un peu plus ludique, j'allais dire, avec ce premier prix européen leader pour l'égalité femmes-hommes. L'objectif, c'était de montrer concrètement ce que l'on peut faire avec leader. Et en ce 8 mars, bien évidemment, le thème était facilement choisi. Donc, je voulais vous remercier toutes et tous d'être venus. Je voulais remercier l'ensemble du conseil d'administration de Leader France pour son soutien. Je voudrais remercier également l'équipe technique de Leader France, Alexis Lebras, Élise Le Breuilly, Etikali Peteto et Nolwenn Ubi pour le travail depuis plusieurs mois. Et puis, le soutien de nos partenaires, la mairie de Ploeckt-Hermitage, je transmettrai, l'agglomération de Saint-Brieuc, Monsieur le Président, le conseil départemental des Côtes d'Armor et le conseil régional de Bretagne. Et donc, notre séminaire n'est pas totalement terminé puisque cet après-midi, il y aura deux circuits de visite pour découvrir des projets financés par Leader et par le FEAMP sur le territoire de Saint-Brieuc-Armor-Agglomération et de Lamballe-Terre-et-Mer, Monsieur le Président. Et puis, il y aura un atelier pour les groupes d'action locale français pour travailler sur la rédaction des stratégies locales de développement. Donc, bonne fin de séminaire à toutes et à tous et merci de votre présence. Et puis, il va y avoir un petit temps de photo, on le dira tout à l'heure. OK, merci beaucoup. La parole à Ronan Cadraon, qui est maire de Plérin-sur-Mer et président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Monsieur le Président, un petit mot. Oui, je vais être court comme Thibault, parce que ce qui me semble important, c'est que Monsieur le ministre puisse avoir le temps de parole nécessaire pour s'exprimer. Je voudrais vous remercier d'avoir choisi
l'agglomération briochine pour organiser ces journées. C'est quelque chose d'important pour nous. Vous avez fait un bon choix. Hein. Vous avez choisi la plus belle agglomération de France après la vôtre. Je voudrais remercier aussi dans l'organisation le président de l'Association des maires de France, Loïc Raoul, qui est parmi nous et qui a permis que nous puissions aussi faire en sorte que cette manifestation connaisse le succès qu'elle connaît aujourd'hui. Saluer Monsieur le Préfet, avec qui nous étions encore hier en discussion. L'agglomération briochine, entre la mer, la ruralité, l'urbain, la pêche, l'agriculture, ce sont effectivement deux sujets européens qui nous tiennent à cœur. Et je vois mon collègue président de LTM, avec qui nous partageons un certain nombre d'avenir en commun aussi, et qui contribue aussi à travailler sur les fonds européens, notamment à travers les GAL, mais aussi à travers la politique pêche. Donc, très heureux d'être ici. L'Europe est un sujet important pour l'agglomération briochine, comme pour beaucoup d'agglomérations d'ailleurs. Et je dirais encore plus important dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Et je sais que cette manifestation, ces journées aujourd'hui, prennent un sens tout particulier. D'abord parce que c'était effectivement la journée de la femme. Et puis, nous nous trouvons dans un contexte de bouleversement européen avec l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Et là aussi, je crois que nous ne pouvons pas échapper, en tout cas je l'espère, à une pensée pour nos amis ukrainiens. Et déjà, sur l'agglomération briochine, eh bien, l'accueil s'organise. Monsieur le Préfet et Monsieur le Président de l'AMF 22 contribuent à ces accueils. Donc, merci à toutes et à tous d'être venus en ruralité, à Pleuc-l'Hermitage. Je dirais que quand vous repartirez d'ici, vous avez une belle présentation sur la pomme de terre. Donc, je pense que vous aurez la frite en partant. Ça, c'est une chose sérieuse, parce qu'il faut bien manger en Bretagne et en Côte d'Armor, et vous le verrez tout à l'heure. La pomme de terre, qui est pour nous un élément, et pour Monsieur le maire de Pleuc-l'Hermitage, un élément essentiel de sa nourriture, si j'ai bien compris, avec le sel de Mayotte. Très bien. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus en Bretagne, en Côte d'Armor, dans l'agglomération briochine et à Pleuc-l'Hermitage. Et je passe la parole tout de suite, ça évitera à l'animateur de causer de trop, à Marion Eckart. Ah, parfait. Marion, c'est à vous. Donc, cette conclusion de ce séminaire suite à la première remise des prix. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier tous les invités internationaux. Je pense que c'est très important, ce genre d'occasion, de montrer au gouvernement que l'Europe se tient ensemble et que l'Europe rurale est importante et ça va au-delà de l'agriculture. Ensemble, nous travaillons sur des problèmes communs. Nous devons être plus visibles, de montrer ce que nous sommes. Nous avons tellement d'activités intenses sur nos territoires et nous devons nous montrer. Et Thibault, je voudrais vous remercier parce que vous nous aidez à montrer ce que nous sommes. C'est très important ce que vous faites. C'est génial de voir les gens venant d'autres pays. Voilà, ce prix, c'est un moment très heureux. Ça nous redonne de l'énergie et l'envie de continuer. Merci beaucoup, Marion. Monsieur le ministre, à vous la parole. C'est un discours fleuve de 2 heures, je vous préviens. Nous en sommes ravis. ne le criez pas trop fort, si c'était ça, vous seriez tous bien embêtés. Bien, monsieur le secrétaire général du défi démocratique, démographique et membre du gouvernement espagnol, cher Paco, madame la députée et présidente du groupe sur les enjeux de la ruralité à l'Assemblée nationale, chère Yolène, Monsieur le député, Madame la sénatrice, cher Eric, chère Annie, Monsieur le président de Saint-Brieuc Agglomération, Mesdames, Messieurs, Madame la chef de la représentation de la Commission européenne en France,
Madame la présidente de la commission NAT du Comité européen des régions, chère Ulrika Landergren, mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet, monsieur le président de Leader France, cher Thibault, qui aura été l'homme qui me fera venir sans arrêt à Pleuc-l'Hermitage, où je n'avais jamais mis les pieds avant, mais maintenant je n'arrête plus d'y venir. C'est donc venu le must maintenant de mes séjours ici. Madame la présidente Delar, mesdames, messieurs les autorités en vos différentes qualités, moi je voulais aujourd'hui déjà commencer en ayant une pensée et un mot de solidarité pour nos amis et pour le peuple ukrainien qui subit actuellement une véritable agression sans précédent sur notre continent, qui est le continent européen, la plus grande agression depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la solidarité avec nos voisins qui doit évidemment primer en cette période. Je crois que cette solidarité, d'ailleurs, entre territoires, qui est vraiment au cœur des politiques européennes régionales et qui nous rassemble ce jour, est un bon symbole de l'amitié que nous avons aujourd'hui pour le peuple ukrainien et pour ce drame sans précédent. Je souhaiterais remercier tout d'abord Thibault Guignard, mais également Alexis Lebras et toute l'équipe de Leader France pour ce formidable travail qui a été réalisé ici pour préparer cet événement, un événement qui est franchement un des temps forts de la présidence française de l'Union européenne sur la question de la ruralité. Alors, le travail et l'intelligence rassemblée ont permis de transformer ce qui aurait pu être simplement une réunion européenne technique, j'allais dire classique, en un véritable événement politique. Je crois que la convivialité, l'accent breton, la qualité également de mon pas de danse hier soir, je suis désolé d'avoir tordu le doigt des deux personnes qui étaient à mes côtés lors de cette danse effrénée, je n'avais pas compris qu'il ne s'agissait pas de rugby. J'ai donc eu des gestes qui étaient peut-être un peu trop violents pour la finesse de la danse bretonne. Mais il s'agit en tout cas de moments qui sont partagés pour une motivation qui est une motivation commune et assurément une mobilisation autour d'une même stratégie en faveur des ruralités européennes. Alors, comme on m'a fait un discours qui est un discours, comme dirait le Premier ministre l'autre jour sur mon territoire, qui est long comme le bras, je vais vous parler maintenant sans note particulière et vous parler avec le cœur. Vous parlez d'un enfant d'Europe qui est en face de vous, dont les origines se puisent dans l'ensemble des pays de l'Europe et notamment de l'Europe de l'Est. Un enfant aussi de toutes les diasporas religieuses qui ont pu exister sur l'ensemble de notre territoire et qui finalement un jour a trouvé une terre d'accueil qui s'appelait la France. Je voulais vous parler de cela parce que, étant membre de l'Union fédérale européenne, étant un des rares membres de cette Union fédérale d'ailleurs, et ceci depuis des années, j'ai à cœur, dans les fonctions qui ont été les mêmes de secrétaire d'État à la ruralité, mais aujourd'hui comme ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, de faire en sorte que la présidence française de l'Union européenne soit une présidence française qui passe de la notion de fracture entre différents États à la notion de fracture qui existe au sein même des États sur l'ensemble de l'Union européenne entre des métropoles qui sont quelquefois florissantes et des ruralités qui ont à réinventer, à innover, Yolaine de Courson dirait à conquérir, puisqu'elle aime la ruralité conquérante, un espace qui est un espace qui a été par trop délaissé. Nous sommes ici le pays où la ruralité, juste derrière d'ailleurs la Pologne, est une des plus importantes sur le territoire européen. Et pour ce faire, il faut que les programmes européens, les fonds structurels, puissent, tout comme on l'a fait pour les grandes agglomérations, comme on l'a fait pour les politiques de la ville, puissent se concentrer, s'intéresser, plus qu'elles ne le font à l'heure actuelle, à l'ensemble des politiques publiques qui sont menées sur ces territoires, qui se sont considérés longtemps comme délaissés. La crise des gilets jaunes en France est souvent partie des territoires ruraux et pour lesquels des réponses nationales ont été apportées. Je pense à la réponse nationale de l'agenda rural. Agenda rural qui porte 181 mesures que nous avons réalisées à 93,5% et pour lesquelles j'ai rajouté d'ailleurs deux mesures qui me semblaient importantes. Une qui
aujourd'hui et particulièrement résonne particulièrement, j'aurais dit, en cette journée de la femme, puisque l'agenda rural ne comportait aucune mesure sur l'égalité femmes-hommes. Nous avons donc fait un appel à manifestation d'intérêt complémentaire, de sorte que, ben, tout simplement, les questions d'égalité, mais égalité sociale, comme les questions de soutien lorsqu'il s'agit de problématiques de violence, puissent être traitées par un soutien aux associations et de plus en plus territorialisé. Nous avons mis 500 000 euros l'an dernier sur ces soutiens. Cette année, on devait mettre 500 000 euros. J'ai demandé qu'on double la somme, et donc de 1 million d'euros, pour que nous allions au plus près des territoires et au plus près de ces problématiques. Nous avons fait la même chose avec Elisabeth Moreno sur les questions LGBT+ en milieu rural, parce que tout simplement, et ça résonne aujourd'hui particulièrement, je ne veux pas qu'il y ait d'invisible dans le monde rural. Et l'invisibilité des femmes, l'invisibilité LGBT, fait partie des questions qui doivent être résolues, y compris dans certains pays d'Europe qui n'ont pas forcément le même esprit ou la même envie que nous sur notre territoire. Ce sont des questions qui doivent être résolues sur l'ensemble de l'Europe. Alors, j'avais emmené ma claque, effectivement, et la claque a applaudi. Je voulais aussi vous dire, en conclusion de ce séminaire, que cette PFUE va être l'occasion pour nous, et nous avons déjà commencé nombre d'entretiens. J'ai présidé un conseil affaires générales, donc un conseil des ministres à Bruxelles l'autre jour. C'est Jacqueline Gourault qui l'avait présidé également. Nous serons présents, membres du gouvernement, au-delà, je dirais, de la représentation classique du corps diplomatique, pour impulser une nouvelle politique. Une politique où ces fonds structurels, qui sont quelquefois un petit peu éloignés des préoccupations rurales, puissent mieux irriguer les innovations, car souvent, l'innovation, elle existe en montagne, elle existe dans les îles, elle existe dans les zones rurales, tout simplement parce que l'innovation, c'est aussi une question de survie dans nos territoires. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'incroyable résilience dont a fait preuve notre pays, mais dont a fait preuve l'ensemble de l'Europe, face à une pandémie qui était une pandémie extrêmement pénible pour nous toutes et tous, c'est une résilience qui a souvent trouvé sa source dans le ressourcement, justement, de populations urbaines dans des zones rurales, un ressourcement dont nous voulons qu'il ne soit pas simplement un effet de passage, avec certes des DMTO pour les collectivités qui seraient en augmentation, mais qui n'auraient pas de lendemain quant à l'implantation durable sur nos territoires. C'est la raison pour laquelle le FEDER, le FSE et d'autres programmes doivent désormais aider cette consolidation et doivent l'aider au travers d'un agenda rural ou d'un pacte rural européen, peu importe comment on l'appelle. Là, vous savez, la traduction du flamand a toujours été difficile en français. Mais ce pacte rural européen, qui est l'enfant extra-utérin du 8e rapport sur la cohésion territoriale, doit aujourd'hui être à l'origine d'une nouvelle donne politique. Alors, on ne va pas changer les choses, effectivement, du jour au lendemain. La programmation des fonds 2021-2027 est en cours. Pour autant, on peut changer les choses à mi-parcours, et pour autant, on peut impulser une politique qui, dans la durée, sera une politique plus favorable aux zones rurales. Et sur le programme LEADER, sur le programme donc issu du FEADER et de son développement rural, nous avons déjà eu des discussions, j'en ai eu avec la commissaire Ferreira depuis déjà un bon moment, c'est-à-dire, je la connais aussi particulièrement bien. Nous en avons également eu avec Thibault, avec le commissaire à l'agriculture, pour que justement, cette programmation du FEADER, cette programmation du volet développement rural du FEADER, le programme LEADER, ne soit pas simplement quelque chose d'annexe à la politique agricole commune, mais soit bien quelque chose qui est ancré sur nos territoires. Nous avons besoin de l'agriculture sur les territoires ruraux. Mais la ruralité, ça n'est pas que ça. La ruralité, c'est aussi un mode de vie, c'est un mode de développement, c'est une culture qui ne peut pas, certes, se passer d'agriculture, mais qui, pour autant, doit avoir un autre type de développement que simplement la question de la ruralité agricole, qui n'est pas suffisante pour asseoir des populations sur un territoire. Alors oui, aujourd'hui, votre séminaire participe de cette logique. Il participe aussi des messages que nous voulons porter au sein de l'Union européenne pour que, demain, la ruralité que vous défendez ici, non pas celle qui couine, celle qui pleure en disant « c'était mieux avant » ou « plus d'avenir, no future » au travers de notre devenir, mais cette ruralité, pour reprendre à nouveau ton expression, cette ruralité conquérante, puisse demain
s'asseoir non seulement sur des programmes nationaux et en fonction de chaque agenda rural national. Il ne m'appartient pas de décider à la place des autres pays de ce qui est bon pour eux, mais qu'elle puisse également profiter de crédits européens qui arrivent en accompagnement de ces politiques publiques qui, demain, seront structurantes pour un territoire équilibré, un territoire qui ne pourra jamais passer au développement durable si les questions rurales ne sont pas prises en compte. La transition écologique n'est pas la même lorsqu'on habite ici à Pleuc que lorsque l'on habite dans l'agglomération de Paris, mais également qui pourra, et je l'espère, réconcilier le rural et l'urbain, parce que les choses, il n'y a aucun lien de casser. La preuve, les programmes alimentaires, les projets alimentaires territoriaux ont été la démonstration que ruralité et ville avaient des atouts complémentaires qui ne pouvaient pas être dissociés et que lorsque l'on veut faire une politique de circuit court, il n'y a pas d'autre solution que l'entente entre le rural et l'urbain. C'est sur ces quelques propos, mesdames, messieurs, que je voulais conclure ce séminaire en vous remerciant encore toutes et tous de votre participation active. Nous croyons en la ruralité, nous croyons en la ruralité européenne et demain la présidence française de l'Union européenne sera à l'origine, et j'en suis sûr, d'un renouveau de la question rurale en Europe. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je voudrais, en conclusion de ce séminaire, en conclusion de la conclusion, vous inviter à vous lever pour écouter quelques notes de la Marseillaise et de l'hymne européen. Et ensuite, nous sortirons tous en groupe pour prendre une photo de groupe, la photo souvenir du séminaire. Et pendant ce temps-là, le buffet aura été dressé dans cette même salle et on se retrouvera pour déjeuner. Et Alexis me fait signe de quelque chose que je ne comprends pas. Et l'hymne ukrainien en troisième position. Voilà. Très bien. Décidément. Très bien. Et donc, non, je n'avais pas oublié, j'avais prévu de le faire en deux temps. Non, mais c'est vrai, en plus. Ils m'ont foiré mon truc. Allons-y. Thank you.
maintenant, en solidarité avec le peuple ukrainien, je vous propose d'écouter l'hymne ukrainien. Bien, je vous invite à vous retrouver. Nous sortons dehors, nous allons pour rendre hommage aux racines de l'Union européenne au pied de l'église. Et ce n'est pas du tout laïque hein, ce que je viens de faire. Au pied de l'église pour prendre la photo souvenir du séminaire. Et vous allez comprendre, il y a des marches au pied de l'église, ça permet de prendre la photo. Voilà, donc rendez-vous au pied de l'église. N'oubliez pas de rendre, s'il vous plaît, vos casques. N'oubliez pas de rendre vos casques qui vous ont permis de comprendre tout ce qui se passait ici tout à l'heure. Et puis, on se retrouve après la photo pour le déjeuner. Et n'oubliez pas de prendre vos sacs aussi avec les plants de pommes de terre et autres souvenirs de Pluck l'Ermitage. Merci à vous. Et on se retrouve ici pour le déjeuner, le temps de la photo. Eh bien,